Je pourrais être au cinéma en ce moment même. Au moins, je peux quand même me régaler. Viens par là. Ou peut-être pas. Tu connais les règles, Mathieu? Tout plaisir est interdit. J'ai compris. Alors, j'en étais où? Au moins, je peux voir. Il faut bien que je m'hydrate. Quoi? Les boissons aussi sont interdites. Je déteste vraiment cet endroit. Je vais rester là à mourir de faim. Quelle journée! Ces règles sont pourries. Au moins, je peux utiliser ma bouche pour parler. Quoi de neuf, toi? Il va falloir que je te rappelle. Mais non, je n'ai plus rien pour m'occuper. Ces enfants n'apprennent vraiment jamais. Pas de nourriture, pas de téléphone, rien! Oh, on se moque de moi! Je ne peux rien faire à part rester assis sur ma chaise! C'est quoi cet enfer sur Terre? C'est trop injuste! Toutes ces tentatives m'ont donné sommeil. Quoi? Il dort maintenant! Qu'est-ce qui s'est passé? Interdiction de dormir, forcément. Comment est-ce que je me suis retrouvée avec tout ça sur moi? Je sais! Je vais simplement donner l'impression d'être réveillée. Tu vois ce que je vois? Bonne nuit, madame! Et je m'en vais au pays de Morphée! Qu'est-ce qu'il regarde comme ça? Tant qu'il ne dort pas, ça va! C'est tellement sucré! Pour mon art, c'est une vraie source d'inspiration! Qu'est-ce qui se passe ici? Oh! Tu connais les règles, jeune fille! Pas de bonbons! Qui a besoin d'autant de sucre de toute façon? Oh! Qu'est-ce qui ne va pas avec celle-là? Tu peux m'expliquer? Pas mal, hein? C'est moi qui l'ai faite! Je suis intriguée! Voyons comment ça se passe aujourd'hui. Qu'est-ce que... Je rêve? Mince! La principale! Les bonbons ne sont pas autorisés! Voici votre punition! Non! Attendez! Waouh! C'est quoi cet endroit? Maintenant que j'ai votre attention, il est temps de vous munir de votre matériel. C'est un cri d'oiseau. Et votre premier défi artistique. Réfléchissons. Ah, cette écharpe. Pour ma part, ça ne devrait pas être trop difficile. Quoi? Est-ce que c'est bien ce que je crois? Fiche le camp, ça a été d'oiseau. Génial, ça me laisse une longueur d'avance. D'ailleurs, je crois que j'ai ce qu'il faut pour prendre l'avantage. Comment est-ce qu'il est arrivé là? Peu importe. Comme je disais... Est-ce que c'est une mauvaise blague? Ah, enfin! Mes affaires! Oh, super! Encore un livre ennuyeux. Rien à cirer. Un masque? Il n'y a rien d'utile là-dedans! C'est quoi ces équations? Comme si je comprenais quelque chose à ce qui est écrit. En y réfléchissant, je pourrais m'aider des chiffres. Une fois que j'aurai défini le corps, je pourrais utiliser quelques chiffres magiques. Sur la tête aussi. Ça commence à ressembler à un oiseau, non? Attends qu'il soit coloré. Ça va, ma petite mésange? Je vais te faire de jolies petites plumes. Avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est terminé! Qu'est-ce que tu en dis? Tu vois les chiffres à l'intérieur? Stupéfiant! Et toi? Disons qu'une averse m'a prise de court. C'est tout ce que j'ai pu faire! Burke! Annie, tu gagnes ce défi! Oh, youpi! C'est pour moi? Merci! Je ne peux pas travailler dans ces conditions. J'aurais dû le voir venir. Oh, le prochain défi est arrivé.
J'ai vu de nombreuses pommes dans ma vie. Je sais exactement par où commencer. La clé, c'est de faire un cercle parfait. Mais où suis-je censée mettre la tige? Ce cercle occupe toute la page! Oh. Retour à la case départ. Je suis en manque d'inspiration. Attends, je crois que j'ai la pomme parfaite. C'est bon, elle a l'air occupée. Je me lance. En avant pour une mission 1 pomme cible. Je suis prête et armée. Il suffit d'une coupe propre et soignée. Hein? Que fait Annie? Arrête ça et va t'asseoir. Désolée. Mince, j'y étais presque. Bon, je vais devoir me débrouiller. Je vais écrire le mot pomme en anglais. C'est facile. A-P-P-L-E. Attends une seconde. Si je divise le mot par 5, ou plutôt par une pomme, je suis encore plus proche du résultat. Bon, je vais faire le 5 un peu plus gros. Qui aurait cru que le chiffre pouvait représenter la moitié d'une pomme? Tu n'aurais jamais deviné qu'il s'agissait d'un chiffre au départ. Surtout, pas une fois colorié. En créant juste ce qu'il faut de relief, cette pomme va avoir l'air de sortir de la feuille. Oh, il ne faut pas oublier la tige. On crée un peu d'ombre. Et on ajoute quelques petits détails. Cette pomme est belle à croquer. Tu n'es pas d'accord? Ta-da! C'est terminé! Moi aussi. Quel réalisme! Et quelle, platitude! Eh bien, c'est une évidence! Bravo, Annie! J'ai gagné! Ouais! J'aurais aimé avoir une vraie pomme. Moi aussi. Oh! Elle a déjà été grignotée! Burk! Honnêtement, la mienne est fraîche! Incroyable! J'ai vraiment dépeint le bon côté de la directrice. Mais il reste une chose à faire. Il me faut cette peinture. Je la fais gicler sur l'éponge. Pas trop quand même. J'utilise plusieurs couleurs. Maintenant, je la mets sur le côté. Tout est prêt. Oh, la voilà qui arrive. Bonjour les enfants. Commençons. Hein? C'est une blague? Qui a fait ça? Vas-y, montre-toi. Je pense qu'on ne le saura jamais. Il ressemble à la directrice, mais il doit disparaître. Quoi? Je ne comprends pas. Vous trouvez ça drôle? Non! Je peux expliquer. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est Lizzie. Comment osez-vous? Je n'ai jamais vu ça. C'est l'une de vous deux. Ne me virez pas! Attendez! Que se passe-t-il? Où sommes-nous? Oh, ça a l'air sympa. C'est l'heure du défi artistique. Ça va être tellement facile. Ouf! Je pensais être en retard. Voici ma feuille d'examen. Je pense que vous serez agréablement surprise. Je pense que tu t'es trompée de vidéo. Mais puisque tu es là, voyons voir. Ok, jusqu'ici tout va bien. Je suis tellement nerveuse. Intéressant. Oh, c'est un ou positif ou négatif. Pour vous. C'est trop gentil. Tu sais quoi, je suis d'humeur généreuse. Voici ta note. Excellent travail. Continue comme ça. Un A+. Waouh. C'est pour vous. Hein? Ce n'était pas convenu. Et je prends ça. À bientôt. Je hais ce boulot parfois. Elle ne s'y attendait pas, hein? Quel rebondissement! Une minute. Ces fleurs m'ont donné une idée. Je vais recouvrir la fourchette de peinture. Ensuite, je la presse sur une feuille. J'utilise plusieurs couleurs. Je vais parcourir la page. Mais il reste encore beaucoup à faire. Maintenant, je prends un pinceau. Et j'applique soigneusement de la peinture verte. Ensuite, je peins une tige. Je fais de même avec les autres. Ensuite, je peins des feuilles. Peu importe que la peinture soit décolorée, ça ne fait qu'ajouter à l'effet. Ajoutons une pelouse. Et voilà, je suis contente du résultat. À ton tour. Ça a l'air bien. Quoi? Je dois trouver une idée. J'ai quoi dans ma poche? Pas grand-chose. Qu'est-ce que je suis censée en faire? Je vais perdre. À moins que... Ça y est, je sais! Je dois mettre la bille à l'intérieur du ballon. Ensuite, je l'entoure d'un élastique. Puis, je plie le ballon à l'envers. Comme ceci. Maintenant, faut le gonfler. Il a juste besoin d'air. Ça
Ça devrait suffire. Je vais le tremper dans la peinture. Je vais en couvrir le bas. Maintenant, je peux le presser sur le papier. Je veux laisser une empreinte. Je recommence plusieurs fois. C'est déjà très joli. Ce sera le dernier. Maintenant, de la peinture jaune. Je colorie le centre des cercles. Passons à la peinture verte. Je peins les tiges. Puis j'ajoute des feuilles. Waouh ! J'adore ! Si seulement on m'offrait des fleurs comme ça ! Je crois que j'ai terminé ! Qu'en dites-vous ? Vous êtes moins confiante, hein ? Ce n'est pas à nous de décider ! Vous n'avez aucune chance ! Ouf, c'est enfin terminé ! Attendez, je dois aussi les noter ! C'est bon, Lizzie, suivant ! Ok, c'est créatif ! C'est difficile alors ! C'est un match nul ! Ça me va ! Ah ! Quelle est la suite ? Au moins, tous mes outils sont prêts. Si tu le dis. Oui! Hein? Qui est-ce? Oh! Waouh! Génial! Allons-y. Je me sens très inspirée tout à coup. En plus, les émojis signifient liberté de forme. Je vais simplement peindre un cercle. Je ne serais pas contre un peu d'aide? Il n'y a rien de tel qu'un pot de peinture fraîche. Non mais fais attention! Tu t'en fiches pas mal, n'est-ce pas? Waouh, elle n'est pas croyable! C'est intéressant. Attends une seconde. Je vais m'y prendre autrement. Entre là-dedans, petite peinture jaune. Parfait. Que la fête commence. Et on remplit. Regarde-les gonfler! As-tu deviné ce que je suis en train de faire? Il s'agit d'un emoji, tu te souviens? Il est vraiment très original! Wendy? J'ai cru que tu ne me le demanderais jamais! Je ne suis pas sûre que ça fasse le poids! Je sais, c'est génial! J'aurais aimé y avoir pensé! Et ils ont fait tout le char avec des fleurs! C'est dingue, non? Ouais! Comment ça va, les filles? Salut, bonjour, toi! On était en train de parler des fleurs! Vous ne me trouvez pas magnifique? Arrête! Très bien, nous allons te dessiner, beau gosse! Mais avec quoi? Je n'ai aucun pinceau! Wendy, ça t'embête si je t'en prends un? Ça n'en a pas l'air! Cette couleur est très sympa! Bien, maintenant je vais faire un trait plus fin. Jennifer, c'est mon pinceau! Ce n'est pas le tien. Regarde ce que tu m'as fait faire! J'imagine que je vais devoir trouver autre chose. Tout autre chose même. D'abord, trempons la base de la bouteille dans la peinture. Puis servons-nous-en pour faire une fleur. Fastoche, n'est-ce pas? Encore quelques-unes. Elles sont bien rondes en plus. Ensuite, répétons l'opération avec d'autres couleurs. Ça commence à devenir très joli. Vous voyez? Pas mal! Je ne pourrai jamais arranger ça! Finalement, le mien est plutôt sympa. Ce n'est pas juste! Au moins, tu as fait de ton mieux. C'est pour moi? C'est très gentil! Merci, Jennifer! Main de peinture! Tu me feras un câlin plus tard. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu crois qu'on devrait faire ça? 1, 2, 3! Waouh! Qu'est-ce que je suis censée faire de ça? Je n'ai qu'à acheter ce dont j'ai besoin. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas de la peinture, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là-dedans? Attendez une seconde, je sais! Coupez les angles des sachets. Ça crée un petit bec. Encore un. Que la verse de peinture commence. Génial! Regarde tout ce qu'il y a! Maintenant, laissons la gravité faire son travail. C'est agréable à regarder, tu ne le trouves pas? Pour
créer quelques effets, ajoutons un peu de blanc. Plic-ploc. C'est vraiment amusant. Regarde le résultat. J'ai fini. Qu'est-ce que tu en dis? Trop bizarre, n'est-ce pas? Certainement. Regarde plutôt le mien. Comment as-tu obtenu toute cette texture? J'ai encore gagné! Voyons voir. Mon nuage est ici. Boum! C'est votre prochain défi. Des nuages arc-en-ciel. Délicieux, pas vrai? Alors dépêchez-vous de commencer. Quoi? Des nuages arc-en-ciel? Les nuages ne sont même pas comestibles. Il faut que je réfléchisse sérieusement pour trouver une idée. Stop! Pas étonnant que j'arrive pas à réfléchir. Très bien, donne-moi ton idée. Tu vas l'adorer. Regarde, tu vois, on peut utiliser cette petite lampe nuage. Quoi? Pas du tout, c'est terrible. À toi, je t'écoute. C'est simple, on repère un nuage qui nous plaît, on l'attrape au lasso et on le tire. Je pense que ça pourrait marcher. Très bien, cette idée est la gagnante. Oui, je pense vraiment que ça peut le faire. Il faut juste que j'enfile mon uniforme. J'ai mon casque, je peux aller chercher mon nuage. À plus tard. Salut! Mais qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je réfléchisse. Je suis sûre que mon cerveau est capable de trouver une solution. Waouh! Pourquoi il fait si sombre ici? Il y a personne? J'ai faim! Oh oui! Regarde cette assiette de nourriture! J'adore un petit sandwich au gaufre! Oh, ça sent tellement bon! Hein? Oh, c'est pas vrai! C'était juste dans ma tête! Attends une seconde! Je sais quoi faire! Verse une partie de cette pâte dans différents bols! Miam! Ça va être un régal, j'en suis certaine! Mais il faut que j'ajoute de la couleur, bien sûr! C'est là tout le problème! Du rouge dans ce bol et maintenant je peux mélanger. Je vais aussi faire du bleu, du jaune et du violet. Et voilà, mes pâtes sont colorées et prêtes pour la prochaine étape. Je vais juste mettre un peu de cette pâte dans le gaufrier. Pas trop cependant parce que je veux une gaufre arc-en-ciel. Donc je dois ajouter les autres couleurs aussi. Et voilà. Maintenant, commençons à cuire ces gaufres. Tadam! Ma gaufre arc-en-ciel est réussie. Et maintenant, ajoutons de la crème fouettée. J'ai fait des petits nuages pour aller avec mon arc-en-ciel. Je vais aussi ajouter des vermicelles. Cette assiette est pleine de jolies couleurs. J'adore! Bien, ça devrait aller. Et voilà, j'ai fini. Youpi! Waouh, franchement, je crois que c'est la plus jolie chose que j'ai jamais faite. Oh, t'es de retour de ta chasse aux nuages? Comment ça s'est passé? Super, regarde mon nuage. Hein? Où est-ce qu'il est passé? C'est nul! Waouh, t'as fait cette gaufre arc-en-ciel toi-même? Donne-moi ça, j'arrive pas à croire que t'aies fait ça sans moi. C'est beau en plus. Attends, c'est censé être pour... Oh bien, je suppose que tu peux l'avoir. Bravo à toutes les deux! Vous pensez connaître tout ce qu'il y a à savoir sur l'eau? Il est temps de se mouiller un peu! Qu'est-ce qu'il se passe si on mélange ces éléments? Et on est censé faire quoi? Je crois qu'on doit le deviner. Il y a de grandes bouteilles. C'est pas évident. On doit peut-être les utiliser comme ça. Je ne sais pas. Oh, waouh! C'est super doux! Salut, vous! Ça fait avancer quelque chose? Pas vraiment. Attends, donne-moi une bouteille, d'accord? D'abord, je vais mettre les billes à l'intérieur. On dirait qu'il pleut un arc-en-ciel. Quoi? D'accord. On va mettre un peu d'eau dans les bouteilles. D'accord. Fais très attention, ne renverse pas. Il se passe vraiment quelque chose. Voilà. Ma carte. Ensuite, pose cette carte là-dessus. Et retourne la bouteille. Tu les manipules vraiment bien. Waouh. Et... ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on laisse la magie opérer. Allez, on tente. Oui! Mon plan a fonctionné à merveille, tu vois? Waouh! On dirait que les billes dansent! Je n'y crois pas! C'est incroyable! Ouais! Waouh! Voyons voir! Waouh! Regarde ça! Moi aussi j'en ai un! Mais le mien est aux couleurs de l'arc-en-ciel, évidemment!
Hé, je crois que le mien se mange. Il est comestible, mais non, c'est trop stylé. Il essayait de me donner son cœur, là? Je n'espère pas. Je vais me contenter de manger le mien au lieu de me préoccuper du sien. Il a l'air délicieux. Attends, c'est quoi ça? C'est du caoutchouc? Nul! Il n'est même pas élastique. Bon, le mien n'est pas comestible. Ça, c'est vraiment nul. Et au moins, je peux jouer avec. Non, je n'ai pas le même entrain que d'habitude. Oh, elle a l'air toute triste. Il faut que je fasse quelque chose. Psst! Hé, regarde! Tu veux un bout de mon cœur? Waouh! Je veux bien! Merci beaucoup! Dis donc, il s'est cassé facilement. Oh là là, regarde-la! Elle a l'air tellement heureuse! Je suis vraiment contente d'avoir partagé avec elle et de lui avoir donné le plus gros bout. C'est trop bon! J'en veux encore! Oula! Attends une seconde! Prends un miroir et regarde ton nouveau look! Mon nouveau look? Qu'est-ce que tu racontes? Bon sang! Maintenant, tu es blanche et noire, comme moi. On va ensemble, comme ça. Tu trouves? C'est vrai qu'on ferait un couple bien assorti. Tout autour de moi est gris et dénué de couleurs. Hein? C'est quoi là-bas sur le coussin du canapé? Waouh! Un pop-it! Et il est aux couleurs de l'arc-en-ciel en plus! C'est trop joli et tellement amusant! Waouh! Il se passe quelque chose là! Oh mon Dieu! Va-t'en! Qu'est-ce qui se passe ici? Je dois rêver. Je dois la toucher pour voir si elle est réelle. Oh, salut toi! Bonjour! Oh mon Dieu, tes cheveux sont tellement beaux! Les miens sont si ternes! Enfin, ne sois pas triste. On peut tout à fait ajouter de la couleur dans ta vie, en commençant par tes cheveux. Oh, je sais pas trop. Fais-moi confiance, tout va bien se passer. Je vais juste ajouter un peu de rose pour égayer tout ça. Et peut-être un peu de jaune ici, et de vert aussi. Voilà, j'ai terminé. Dis-moi ce que tu en penses. Mes cheveux ont vraiment des mèches colorées maintenant? Oh là là! Je me sens indiscutablement mieux qu'avant. Oh, mais nous n'avons pas encore fini. Regarde ça, juste un peu de paillettes magiques. Waouh, elles font apparaître des objets? Exactement. Maintenant, on va ajouter des strass dans tes cheveux. Je pense que quelques étoiles devraient faire l'affaire. Et peut-être quelques pierres précieuses de couleurs différentes. Oh, j'aime vraiment ces petits triangles de couleur ambre. Tu commences vraiment à briller maintenant. Ces pierres précieuses vont très bien dans tes cheveux. Waouh, je me sens tellement mieux maintenant. Je ne suis plus aussi triste. Eh bien, je suis ravie de l'entendre. Oh, mais mes vêtements sont toujours tristes et ennuyeux. Je vois. Dans ce cas, j'imagine qu'on peut y remédier. Waouh, qu'est-ce qu'il m'arrive? Ne t'inquiète pas, ce n'est que de la magie de licorne. Accroche-toi bien. J'y crois pas! Mes vêtements! Et c'était pas la mer à boire! Il suffit de partir d'un t-shirt sans rien et d'un peu de plastique. Découpe la forme du papillon dans le plastique, puis ajoute différentes couleurs de peinture sur un rouleau. Tu peux utiliser celle que tu veux, bien sûr, mais les arcs-en-ciel sont toujours les bienvenus. Il est temps de peindre le t-shirt. Il suffit d'étaler la peinture de haut en bas sur la section découpée. Voilà, c'est fait! Tu peux retirer le plastique. C'est chouette, hein? Waouh! Licorne! Je n'arrive pas à croire que ce soit aussi facile! Merci beaucoup! Je me sens tellement bien avec toutes ces couleurs! Dis donc, ça brille tellement! On l'ouvre ensemble? D'accord. Oh! Mais non! J'adore les licornes! Il me la faut! Non! Chris, regarde ça! Je ne vois rien. Oh, c'est tout ce qu'il reste. Quoi? Je ne vois pas de quoi tu parles. Je suppose que ça, c'est pour moi. Ouhou, trop marrant! Mais non, c'est sorti d'où ça? C'est génial! La la la, toute douce! Oh! Je le veux! Peut-être que la mienne fait pareil! Ah, c'est nul! Attends, j'ai une idée! Prends un bol de billes absorbantes. Verse de l'eau dedans. Attends que les billes absorbent l'eau. Ensuite, prends une bouteille de soda vide et remplis-la de billes à l'aide d'un entonnoir. Enfin, fixe un ballon gonflé sur le goulot de la bouteille. Renverse-la et attends que toutes les billes entrent dans le ballon. Fais sortir l'air du ballon et ferme-le bien. Ta propre balle slime anti-stress. Incroyable! C'était super simple! C'est trop agréable!
Je pourrais passer ma journée à faire ça. Waouh, viens, on les presse ensemble. Prends ça. Waouh, regarde-moi cette cuisine. Viens voir. C'est une super idée. Vas-y. Génial. Et si on donnait un petit coup de jeune au grippin? Attention et... Ta-da! Très impressionnant. Oh, regarde, un coussin blanc. Ah là, c'est plus sympa. Qu'est-ce qu'on pourrait repeindre encore? Qu'est-ce que tu dis de ça? Waouh! Génial! Même les outils de ménage peuvent être colorés. Et les pop-its aussi. Tiens, je pensais. Et voilà. Trop cool. Waouh! À mon tour. Oh, j'ai toujours voulu avoir les cheveux multicolores. Tu crois que ça marche avec des pancakes? Hein? Je crois qu'elle est cassée. Laisse-moi voir. Ta-da! Non, ils n'ont pas changé. Ah, on dirait que les batteries sont à plat. Attends, j'ai une idée. On pourrait utiliser mes crayons de couleur pour peindre les pancakes. Non, certainement pas. Je crois avoir quelque chose de plus comestible. Ajoute un peu de colorant alimentaire dans la pâte. Waouh, regarde comme c'est beau. Et hop, sur la poêle. Et voilà, maintenant il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ta-da! Et le tout sans magie. Tu as entendu ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Waouh! Quelqu'un m'a préparé le petit déjeuner? Je n'ai jamais rien vu d'aussi appétissant. Je devrais traîner au lit plus souvent. Mon chef-d'œuvre est presque terminé. Ah, ils vont l'accrocher dans un musée. Attendez, c'est le dessin de Justin. Il est bien meilleur que le mien. Peut-être que si je louche, il aura l'air mieux. De qui je me moque? Il est affreux. Oh, je reviens tout de suite. Je dois mettre ces copeaux à la poubelle. J'aimerais pouvoir produire quelque chose comme ça. Attendez une seconde, peut-être que je peux. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de ce film plastique. Je le pose sur le dessin, je dessine ensuite par-dessus. Il ne me reste plus qu'à tracer le contour. C'est si simple. Je suis un génie. Je suis presque sûre que tous les grands artistes font ça. C'est pas copier, c'est s'inspirer. Maintenant, je vais enlever le film plastique et le placer sur une feuille blanche. Je vais utiliser un rouleau à pâtisserie pour transférer l'encre. Tadam ! Ça a l'air génial. Regarde ce que j'ai fait, Justin. Magnifique ! Il ressemble au mien. C'est incroyable. Les grands esprits se rencontrent, hein. Nous sommes si talentueux. Top là, mon pote. Oh ouais, c'est pour ça qu'on est meilleurs amis. Ce devoir est difficile. Oh, attendez, qu'est-ce que c'est? Je ne comprends rien à tout ça. Ça n'a aucun sens. Oh non, les formules, elles se multiplient. Laissez-moi tranquille. Tu as échoué, Justin. Et ça me rend heureux. Pourquoi tout ce bruit? Oh, ça va laisser une bosse. Est-ce que la pièce tourne? Non, c'est probablement une commotion cérébrale. Qu'est-ce qui ne va pas, mon pote? Pourquoi la physique doit-elle être si difficile? Je comprends rien du tout! Je vais rater le cours! Aïe, ma tête! Donne-moi une seconde, jeune homme. Je dois me mettre un pansement. Oh, c'est une mauvaise blessure. Je dois être plus prudent. Ah, là, ça va mieux. Quoi? Tu trouves ça plus important, papa? Je peux pas avoir un F! Il suffit d'étudier. J'essaye, mais j'arrête pas de tout oublier. Attends, je l'ai. C'est l'attitude à adopter, Justin. Hein? Je parle des pansements. Je vais les prendre. Ils vont résoudre tous mes problèmes. Au revoir, F. J'enlève la protection du pansement. Et j'ai toutes mes formules sur cette feuille de papier. Je la place au centre du pansement. Et j'aurai toujours les réponses à portée de main. Je vais réussir cet examen. Oh, je souffre tellement! Oh, que t'est-il arrivé? C'est encore si pénible que je veux pas en parler. Tu vas tout de même devoir passer ton contrôle. Bien sûr, je l'attends avec impatience. Bonne chance, t'en auras besoin. Je sais ce que tu penses. Je vais enlever ce pansement. Et j'aurai tout ce dont j'ai besoin. Allez, c'est plutôt intelligent, non? Je croyais que c'était un cours d'art.
Pourquoi j'ai pas étudié davantage? Je passerai jamais! Attendez une seconde, le professeur est distrait. C'est l'occasion ou jamais! Je dois juste être très subtile. Que ferais-je sans mon téléphone? C'est exactement ce dont j'ai besoin. Cela devrait vous donner la réponse. Une fois que vous avez fait cela, que se passe-t-il là-bas? Est-ce que c'est un téléphone? Rien ne peut plus m'arrêter. Tu penses? Vous êtes là depuis longtemps? Assez longtemps. Donne-moi le téléphone. Tu me déçois, Alex. Maintenant, termine ton contrôle. Incroyable. Oui, oui, peu importe. Il a peut-être pris mon téléphone, mais au moins, il n'a pas pris mon goûter. Ces chips contiennent un ingrédient spécial. Les réponses. Et ce qu'il y a de mieux, c'est que je vais pouvoir manger les chips plus tard. Tu te moques de moi? J'ai l'impression que quelqu'un m'observe. Ce n'est probablement rien. Des chips, pour moi? Tu n'aurais pas dû. Pas encore. Il n'y a qu'une seule solution. Tu l'as mérité. Oh, ça fait du bien. Maintenant, sors d'ici. Vous êtes méchant. Oh, tu vas pleurer. C'est tellement injuste. Qu'est-ce qui s'est passé, jeune homme? J'ai eu un F, papa. J'ai fait de mon mieux. Ne t'énerve pas. Attends. Je crois que je sais comment résoudre ce problème. Tout d'abord, je dois retirer la poignée de ma loupe. Ensuite, j'aurai besoin d'un tube de carton. Je le place au-dessus de l'objectif. Je le maintiens en place avec de la colle. Je ferai le tour du bord avec mon pistolet à colle. Ensuite, j'aurai besoin de ce ruban rouge. Je l'enroule autour de l'objectif. Je veux qu'il soit beau. Voilà, Alex, ça résoudra tous tes problèmes. Mais qu'est-ce que c'est? Mets-le à hauteur de ton œil. Je reviens tout de suite. Attends, regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Oh, j'ai compris. Je vois les réponses. C'est incroyable. Ok, c'est l'heure du contrôle. J'ai fait en sorte que celui-ci soit diaboliquement difficile. Je suis assez confiant. C'est ce qu'ils disent tous. Tu peux commencer. Je sais que tu vas échouer. Je ne m'attendais à rien de moins. Allez, papa, où es-tu? Non, c'est un arbre. Je savais que ce déguisement fonctionnerait. Alex, par ici! Parfait! Je savais que tu me laisserais pas tomber. Merci, papa! Hein? Tu as dit quelque chose? Qu'est-ce qu'il fait? Il y a quelque chose qui cloche ici. Je dois enquêter. Jusqu'à présent, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien, je ne sais pas de quoi vous parlez. Allez-y, jetez un coup d'œil. Eh bien, c'est ce que je compte faire. Il y a un travailleur étrange là-bas. Attention, je dois agir naturellement. Tout semble en ordre. Je t'ai peut-être mal jugé, Alex. Phew, je l'ai échappé belle. Waouh, ce type parle tellement! Et rien de tout ça n'a de sens! Il est essentiel que vous l'appreniez. Il sera inclus dans le contrôle. Tout ce que j'entends, c'est du blabla. Je sais ce qui rendra ce cours meilleur. Des amuse-gueules. Tout ce travail d'écoute est un travail qui me rend affamé. Oh, des bonbons sucrés! Attendez! Ai-je entendu le bruissement d'un emballage de bonbons? Je vais me régaler. Que penses-tu faire? Non, 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 tu connais les règles. Pas d'encas en classe. Je prends ça et le reste. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je ferais mieux de vérifier qu'il s'agit bien de vrais bonbons. Oh oui, c'est du sucre à 100%. Où en étais-je? Ok, les snacks ne sont pas autorisés. Mais il n'a pas parlé de soda. Ceci fera l'affaire. Mais je serai plus prudent cette fois-ci. Je le garderai caché. Il n'en saura rien. Attendez, où est-ce qu'il est allé? Oh, je veux dire, ça va? Je pense que ça m'appartient. Comment c'est arrivé là? C'est ton dernier avertissement, Alex. Il a le dos tourné. Je dois faire vite. Oh non, pas question. Quoi? Admets-le, je suis trop bon. Je vais m'en débarrasser. J'étais si près du but que je pouvais presque le goûter. Je t'observe. Oh là là, il est vraiment très intense. Très bien, j'arrête maintenant. Tiens, mon bâton de colle. Ça me donne une idée. Je pense que je peux l'utiliser. Tout d'abord, je dois enlever la colle. Je nettoie ensuite l'intérieur du tube. Ensuite, j'ai besoin de mes bonbons tendres préférés. Ensuite, je vais les presser tous ensemble jusqu'à former une super boule de bonbons. J'enfonce le tube dedans. Cette opération permettra de prendre une partie de la boule. Je peux alors retirer avec précaution le reste des bonbons.
Je garderai cela pour plus tard. J'ai un bâton de bonbons tendre maintenant. Lorsque je tourne le tube, le bonbon sort. Il fonctionne exactement comme je l'avais prévu. Et le plus beau, c'est que personne ne se doute de rien. Mmh, délicieux! Attendez un peu, quelle est cette délicieuse odeur? Pas encore! Est-ce que j'ai senti des bonbons? Quoi? Non, j'oserais même pas y penser. D'une certaine manière, je ne vous crois pas. J'ai besoin de mieux vérifier tout ça. Faites ce qu'il vous plaît, il n'y a rien ici. J'utilise simplement mon vieux bâton de colle. Vraiment? Peut-être qu'il dit la vérité. Je ne vois pas de bonbons. Ok, je crois que j'avais tort. Je pense que oui. Maintenant, si vous le voulez bien, j'ai du collage à faire. C'est si savoureux! Peut-être que cette classe n'est pas si mal après tout. J'adore peindre. C'est hyper relaxant. Je vais mettre un peu de rose. Ça sera parfait. Oh, j'ai un message. Voyons voir. Oh, une rainbow party. Ça va être génial! Je dois trouver une tenue appropriée. Oups, ma peinture. Alors, garde-robe, qu'est-ce que tu as pour moi? Je n'ai rien de suffisamment coloré là-dedans. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? C'est une soirée arc-en-ciel. Oh, je sais, mes peintures, j'en ai de toutes les couleurs. C'est la solution, je suis un génie. Allez, faisons un peu de magie. Il me faut de la peinture et quelques pinceaux. Je vais prendre deux couleurs à la fois et je les applique sur mes yeux. Je change de couleur et je fais le dessous de l'œil. Génial! Mais c'est une rainbow party! Il me faut plus de couleurs! Ce pinceau plus large fera l'affaire! J'ai mis trois couleurs sur un même pinceau. Allons-y! Direct sur les lèvres! Et maintenant, prenons ce mascara vert. Parfait pour colorer mes cils! Oh, je sais! Je vais continuer avec les sourcils, en orange. Je peux même les redessiner si je veux. Ça avance bien? Continuons, on y est presque! Et voilà, il manque juste une dernière touche. Oh là là, ces taches de rousseur bleue sont géniales! J'aimerais tant les voir tout le temps! Et mon maquillage arc-en-ciel est terminé! Hein? Qu'est-ce que c'est que toutes ces lumières? Oh, c'est la rainbow party! Trop bien! Waouh! Ton maquillage est génial! Tu l'as fait toute seule? C'est superbe! Excellent choix pour une soirée arc-en-ciel! Je me demande ce que c'est. Je suis toute excitée! C'est assez décevant pour l'instant. Ouais. C'est quoi ce bruit? Surprise? Il n'y a toujours rien. Il y a quelqu'un? On attend. Waouh! C'était assez stylé. Incroyable. On ouvre? C'est à moi. Hé, rends-moi ça. C'était mon idée. Pas touche. Tu es trop méchant, Chris. Oh, des bulles. Je m'en moque. Mais elles sont jolies. Je peux essayer? Non. S'il te plaît. C'était trop drôle. Hé, regarde ça. Ça me donne une idée. Ça va être trop bien. Prends une toile. Ensuite, sers-toi d'un rouleau pour appliquer la peinture. Recouvre bien toute la toile. Ensuite, prends une tasse à café et plonge-la dans de la peinture blanche. Appuie-la sur la toile. Tu peux laisser libre cours à ton imagination. Ensuite, ajoute de la couleur à l'intérieur des cercles. Essaye de mettre des couleurs différentes pour obtenir un effet plus réaliste. On veut faire transparaître la lumière à l'intérieur des bulles. C'est joli! Et maintenant, les derniers détails. Ça rend super bien! Je suis une vraie artiste! Hé, Chris! Moi aussi, j'ai mes bulles! Hein? Jaloux? Je peux la voir? On peut échanger! Donne-moi ça! Trop bien! Hein? Où sont les bulles? C'est vide! C'est pas juste! Oh, j'ai oublié de te dire que j'avais tout utilisé! C'est pas drôle! J'ai adoré ce tour! Attends! J'ai peur là! C'est toi qui fais ça! Waouh! C'était stylé! Dis donc, c'est tellement chic! Le tien n'est pas très impressionnant. Je suis contente d'avoir celui-là. Hein? Une autre boîte? Pourquoi pas? Ça devient intéressant. Je le sens bien, ce cadeau. Une autre boîte! J'adore ce jeu! Trop bien! Regarde-moi ça! Plein de pop-tubes! Tu as quoi, toi?
C'est pas drôle. Si, un peu. Waouh, il s'étire tellement. Je vais le refermer. Il peut s'étirer jusqu'où? Waouh, trop bien. Et celui-là? Attends une minute, j'ai une idée. Pas encore. C'est quoi ça? Ah! Bonjour, Madison. Tu es tout effrayée. Tu es tellement immature. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? C'est sérieux? Des pailles? Trop bizarre. Ah bon, amuse-toi bien. Je dois forcément pouvoir faire quelque chose avec. Je sais. Coupe les bouts de la paille pour ne garder que la partie télescopique. Fais pareil avec les autres. Un mini pop tube, ils sont trop mignons. On dirait un ver de terre qui frétille. C'est trop bien. Sympa, toi aussi tu en as. Donne-moi ça. Attends, viens on essaye un truc. Comme ça, on va en avoir un géant. Et j'ai fait mini main. Moi aussi. Tire. J'ai gagné. Viens, on recommence. C'est le meilleur jeu du monde. Tu es trop maligne. Voyons voir. C'est la bonne perspective, je crois. Salut, papy. Qu'est-ce que tu penses de ma peinture? Bon boulot. Les couleurs sont jolies. Oh, regardez ces peintures. J'ai une idée. Tu ne veux pas de pinceau? Qu'est-ce que tu fais? Et voilà le travail. Qu'est-ce que t'en dis? C'est original. J'ai pas fini. Je vais prendre cette plaque et la faire glisser jusqu'en bas. Oh, regarde. Dis-moi ce que t'en penses. Oh mon Dieu, c'est vraiment génial, papy. J'adore. Mon ruban adhésif est prêt à être utilisé. Je vais en mettre ici. Je vais continuer mon dessin. Waouh, c'est pas si facile. Je vais prendre cette couleur. Attention, je ne dois pas rater ma ligne. Mais ce que je fais est horrible. Hé, le ruban adhésif de papy me donne une idée. Je t'emprunte ça une seconde, papy. Allez, je prends un morceau de ruban, je place mes feutres dessus. Et maintenant, je replie le ruban par-dessus. Yeah, le résultat va être génial. Je vais faire un bel arc-en-ciel. Ça a marché, je suis un génie. Waouh, bon travail. Et si on essayait avec encore plus de feutres? Ah ah, il y en a plein. On va faire un arc-en-ciel géant. Tu es bien sûr de toi? Il n'y a rien de moins sûr que là, fiston. C'est parti, voyons ce que ça donne. Qui a dit qu'un arc-en-ciel devait forcément être en forme d'arc? Je vais passer par ici et repasser par là. Puis je remonte de ce pied. Et je finis au point de départ. Waouh! Et voilà! Regarde ce que ça donne! On dirait un oiseau! Waouh! Vente d'œuvres d'art! Achetez mes toiles! Burk! Non, merci! Non! Encore un refus! Ah! Au secours! On m'attaque! Détends-toi, ce n'est que moi. Personne ne veut m'acheter mes toiles. Mais papy, qu'est-ce que tu fais dans cette poubelle? Pourquoi tu fouilles les ordures? Tu ne me fais donc pas confiance? Regarde bien. Je vais poser ce couvercle sur la toile. Maintenant, je vaporise de la peinture partout. Je dois tout recouvrir, y compris le couvercle. Et maintenant, j'ajoute un peu de peinture blanche ici, dans le coin. Je remplis tout cet espace et puis je prends un sac plastique. Je vais tamponner le blanc avec, ça va faire ressortir la peinture noire. Regarde! Et maintenant, je vais moucheter le reste avec un peu de peinture blanche. Il est temps d'enlever le couvercle et voilà le travail!
incroyablement beau! Tu as fait ça avec une telle facilité! Tiens, il est pour toi! Je veux cette peinture! Prenez mon argent! Ok, je crois que mon œuvre est terminée! Je ne veux pas m'avancer, mais je crois qu'elle pourrait valoir des millions un jour! Je vais la mettre sur ce chevalet! Oh, je l'adore! Tiens, des bulles! Je crois que j'ai mérité d'en faire quelques-unes! Ouais, regardez ça! Coucou, c'est moi! Oups! Pardon? C'était mon chef-d'œuvre! Ma plus belle toile! Attends voir, des bulles? Ça me donne une idée! Je prends une bouteille en plastique et je coupe le fond. Maintenant, je tends un filet de maille par-dessus l'ouverture. Ensuite, je mets de l'eau savonneuse dans ce récipient. Il en faut pas mal! Je trempe le filet dans l'eau savonneuse. Il y a plein de savon entre les tons de la peinture. Je vais mettre du bleu et un peu de rouge et du jaune. Les couleurs primaires, quoi. Et maintenant, je souffle pour faire des bulles. Je dois juste le faire assez près de la toile. Et pour finir, j'éclate les plus grosses bulles. Et voilà, je crois que c'est bon. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Waouh! Comment as-tu fait ça? Tes bulles m'ont donné de l'inspiration. Je l'ai fait pour toi. Merci, papy. J'adore! Ces bulles sont vraiment magiques. Oh, j'en ai tellement marre! Un peu de sucre ne me ferait pas de mal. Tout d'un coup! Oh, Gabi! Je dois vraiment te le répéter. Boisson interdite, c'est ça? J'aurais pu deviner. Il y a vraiment beaucoup de règles ici. Je vais récupérer ça. En plus, ce truc n'est pas bon pour ta santé. Et je commençais à en avoir marre du café. C'est trop injuste! Madame? Hé! J'arrive tout de suite! Il faut qu'on parle. Il faut qu'elle paye pour ce qu'elle a fait. C'est l'heure de s'amuser un peu. Elle va regretter de ne pas l'avoir jeté. Premier verre. Cul sec. Allez. Elle adore le coca? Eh bien, elle va en avoir. Du moins, c'est ce qu'elle va croire. Encore un bout de cellophane. Et je mets le couvercle. Par contre, il faut bien enlever tout ça. Elle ne remarquera même pas le film plastique. Il faut que je me dépêche. Et maintenant, on ne bouge plus. Ça va être parfait. Bien joué. Cet homme est vraiment un génie. Tout comme moi. Tout a l'air en ordre. Bizarre. Où est passé tout le coca? C'est parti! Hein? Oh! Ma jupe! Comment? Pourquoi? Ne me regardez pas! C'est bon, je suis là! Parfait! Il y a au moins une centaine de feuilles là-dedans. J'ai du pain sur la planche. Je vous ai apporté votre café, madame. 2 cuillères de lait, 1 sucre. Oh, si c'est pas adorable. Tu sais que j'adore ça. Tiens! Elle ne lui donne qu'une feuille? Quoi de neuf, toi? Quel menteur! C'est trop injuste! Tu ne vas pas t'en sortir comme ça! Prends ça! Dis donc, qu'est-ce que ça fait du bien? Bon, c'est beau de rêver, non? Au moins, je peux me venger d'une certaine manière. Et c'est lui qui va me défouler! Oh!
Bonjour, comment ça va? C'est le moment. Alors comme ça, elle adore le café. Je dois m'assurer que le gobelet est vide. Enfin, presque vide. Elle va trop paniquer. Ça devrait le faire. Je me débarrasse des preuves incriminantes. Il faut que j'y aille. Phew. Hé ? Regarde. Oh, tu es trop drôle. Salut. Mon café ? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel bazar! Ce n'est pas du café! Quoi? Je n'ai pas pris ça! Ce n'est pas le mien! Je t'ai eu! Finalement, j'aime bien cette heure de colle! Sunny, regarde ça! Waouh, tu es tellement talentueux! Oups! Aïe, ça fait mal! Oups. Attends, ma barrette! Tu l'as cassée! C'était ma préférée! Je suis vraiment désolée! Tu fais quoi cette fois? Je vais arranger ça. Il me faut juste du ruban nano. Je vais placer une seringue au milieu. Ensuite, je vais enrouler le ruban dessus. Je vais le presser autour de la seringue. Je dois m'assurer que c'est bien scellé. Maintenant, je vais le chauffer. C'est la partie amusante. Je vais injecter la résine. Je veux faire une bulle. Ça a l'air bien, mais il y a encore du travail. Je vais ajouter quelques pétales de fleurs. Je répète tout autour. C'est le dernier! Voilà, une jolie barrette pour les cheveux. C'est pour toi, Sunny. Hein? Qu'est-ce que c'est? Waouh, je n'y crois pas! C'est magnifique! C'est tellement gentil, Alex! Je t'en prie! L'école, ça donne faim. J'ai besoin d'une collation savoureuse. Quoi? De la glace? Tu connais les règles. Oh, je pensais que c'était du second degré. Ne fais pas ça, Sunny. Je n'ai pas le choix. Regarde ce panneau. Peut-être que je peux aider. J'ai besoin d'une bande de ruban nano. Je vais le plier. Ensuite, j'aurai besoin de résine bleue. Mais je devrais m'assurer qu'il est bien scellé. Ça me semble correct. Je vais le réchauffer doucement. C'est prêt à être utilisé. Place à la résine. Je veux gonfler le ruban. Waouh, c'est génial! J'ai fait un cornet en carton. On dirait de la glace. Ajoutons plus de saveur. C'est si moelleux. Waouh, pas possible! C'est pour moi? C'est incroyable! Je veux la presser. Ça fait tellement du bien. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Merci, Alex. C'est bon. Mais j'ai fini. Ça peut aller à la poubelle. Je m'en vais. Je ferais mieux d'aller en cours. Je ne veux pas être en retard. Oh! M'aider, m'aider! Ah! Oh non! Mon porte-clés! Pourquoi? Pourquoi ça m'arrive? Peut-être que c'est encore récupérable. Je peux le faire. Burk, qu'est-ce que c'est? C'est le pire. Oh, je suppose que mon porte-clés a disparu. Attends un peu. J'ai une idée. Peut-être que je peux utiliser ce ruban. Ça vaut la peine d'essayer, mais je dois le rendre mignon. Je vais ajouter un autocollant en forme de cœur dessus. Ensuite, je replierai le ruban. Je veux faire une boucle. Je vais ajouter une petite bande de ruban en haut. Je vais le coller. Ensuite, je vais coller les bords inférieurs. Je veux créer une poche. Maintenant, il me faut plus de ruban adhésif. Ça peut aller en haut. Je ferai de même en bas. Je veux que ce soit bien scellé. Je suis contente du résultat. Mais il reste encore une chose à faire. Je dois en faire un porte-clés. Je vais relier ceci à la bande. Parfait! Il peut occuper une place d'honneur sur mon cartable. C'est mieux que ce que j'imaginais. Il est temps d'aller en cours. Oh, Chris revient. À plus. Salut. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien d'intéressant. Bon, regarde. Oh, je suis désolée. Ne t'inquiète pas, tu feras mieux la prochaine fois. Oh, je sais comment te remonter le moral. Tada! Hein? Non, je ne mérite pas ça. Ne sois pas bête, vas-y, amuse-toi, regarde. Pas mal, non?
bon, d'accord. C'est sympa. C'est bien marrant en fait. J'aime bien. Tu as raison, ça me remotive. Je n'arrive pas à m'arrêter. Chris, la Terre appelle Chris. Ça ne sert à rien. Donne-moi ce contrôle. Ça devrait marcher. Je vais ajouter un trait ici et un là. Il a tout déchiré. Regarde, tu as eu un A+. Il ne réagit toujours pas. Trop bien. Je suis où? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Regarde ça. Un A+. Bien tenté. Pourquoi tu as fait ça? Si tu le veux, il suffit de demander. Je voulais juste aider. Tu as raison, c'est assez marrant. Je te l'avais dit. Waouh, quel rebondissement! Bonjour. Bon, finalement pas tant que ça. Bonjour, entre. Vous faites de la magie, n'est-ce pas? Eh bien quoi? Vous pouvez m'aider? Une fête, il y a écrit réservé aux licornes. Bon, j'ai compris. Un jour tu es humaine, un autre tu es licorne. Cool! Attendez, ça n'est pas très concluant. Ok, Unicornius Turnius. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ma tête? C'en est trop! Quelle est difficile. Tiens, prends ça. Qu'est-ce qu'il y a de spécial là-dedans? Reste calme. Peut-être que la magie du maquillage te conviendra mieux. Tu vois ce que je veux dire. Là, ça me parle. Tout d'abord, jouons un peu avec la texture. Au moins sur le front. Ouais, on va y mettre une corne, les amis. C'est ici que la magie commence vraiment. Elle devrait se coller dessus sans problème. Et maintenant, arrangeons le reste. Du bleu pour les yeux, ce sera mignon. Doucement, doucement. Parfait. Maintenant, le rose. Il suffit de l'appliquer le long de la partie inférieure du sourcil. Ensuite, on remplit le reste. Je dois m'assurer que tout aille bien ensemble. Les contours avec du rose seront magnifiques. Il faut bien mélanger. Tu vois comment tout s'accorde bien? Et n'oublions pas les lèvres. Du bleu sera parfait. Tu vois? Tchoum! Waouh! Je suis une vraie déesse licorne. Tous ces petits détails me rendent unique. La moindre paillette compte. Il est l'heure d'y aller. Waouh! La magie du maquillage a vraiment opéré! C'est avec plaisir. Amuse-toi bien à ta petite fête. Au revoir! À la prochaine. Je vais enfin pouvoir commencer mon nouveau bouquin. Et moi alors? Alors, prête à dessiner? On démarre avec un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel? Super pour commencer. Je sais. J'ai un sac rempli de trucs qui vont enfin pouvoir me servir. Voyons voir. Oh, salut toi. Non. C'est bien. Voilà ce que je cherchais. Prêt à un peu de magie? Regarde comme ces couleurs vont se transformer en arc-en-ciel. Faisons quelques traces. Et voilà. Fini. Enfin, presque. Pas mal. Et maintenant, c'est ce peigne qui va me servir. C'est trop agréable à regarder, non? C'est ça d'utiliser ce qu'on a. Et voilà. Oh, ça a un peu débordé. Maintenant, j'enlève tout le scotch. Et voilà, une belle ligne bien droite. Ou plutôt, trois belles lignes bien droites. Fini! Merci pour ton aide. Assez impressionnant, non? Ouais, pas mal. À mon tour. Je dois tout faire toute seule ou quoi? Magnifique! Partez! J'ai besoin de place pour laisser libre cours à mon imagination. Intéressant! Évidemment, prenez-en tous de la graine. C'est joli avec toutes ces couleurs, non? Et tu n'as encore rien vu. Prête? Moi aussi, je sais me débrouiller toute seule parfois.
Et quand tout est écrasé, on se retrouve avec une magnifique poudre couleur arc-en-ciel. Regarde-moi ces belles teintes. Ta-da ! C'est vrai que c'était incroyable. Oh, et je suis loin d'avoir fini. C'est un bonhomme arc-en-ciel qui danse. Ça lui donne plus de caractère comme ça. Alors ? Ils sont tous les deux originaux. Et je vous déclare donc toutes les deux gagnantes. Super. Oh, quel joli nécessaire de peinture. Oh, je suis trop jalouse. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je pourrais peut-être le réparer. Il me faut juste une mèche de cheveux, pourvu que Sarah ne remarque pas. Ça devrait faire l'affaire. Maintenant, je vais l'attacher au pinceau. Et voilà, il ne me reste plus qu'à peindre. Tiens, ça me dit quelque chose, ça. Un peu trop, d'ailleurs. Oh non, ne me dis pas que... Ce sont mes cheveux? Oh non, mes cheveux! Mais qu'est-ce que tu as fait? Rends-moi ça! Hein? Si tu continues, je vais t'en prendre encore. Arrête ça tout de suite. Puisque c'est comme ça, je ne vois pas d'autre solution. En retenue! Oh, je ne m'attendais pas à ça. Où est-ce qu'on est? Bonjour, bienvenue au défi artistique. Voyons ce que la roue vous réserve. 1, 2, 3, c'est parti! Oh! Une fleur? Ça va, c'est facile! On est vraiment obligé de faire ça? Je ne sais pas quoi faire! Hé! En fait, je crois que j'ai une idée! Mais bien sûr, je suis un génie! Je vais déposer mes bijoux à plat sur ma feuille, puis je les recouvre de peinture. Ce n'est pas la peine d'en mettre des tonnes. Je vais aussi ajouter d'autres couleurs. Bien, je crois que c'est bon. Avec l'extrémité en bois de mon pinceau, je vais ramener les bracelets doucement vers moi. Et en même temps, ça étalera la peinture. Et aussi mélanger toutes les couleurs. Et voilà comment moi je dessine une fleur. Pas mal, non? Waouh! Très impressionnant! Parfait, je vais pouvoir faire quelques retouches de maquillage. C'est maintenant ou jamais! Il faut que je sois toujours au top. J'ai une réputation à tenir. Ouais, bien sûr! C'est exactement ce qu'il me faut! Maintenant, à mon tour de dessiner une fleur. Je vais déposer la peinture en tapotant le pinceau à maquillage, puis je refais la même chose avec un peu de vert. Waouh, c'est super! Maintenant, je vais ajouter quelques détails. Et voilà, c'est trop beau! Il vaudrait mieux que je le remette à sa place. Qu'est-ce que tu fais? Rien du tout! Ouais, ne me dérange pas pendant que je me maquille. Je suis tellement glamour! Bien, le temps est écoulé! Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est prenant, n'est-ce pas? De mon côté, c'est légèrement plus subtil. Excellent travail! Tu as un style très original, Sarah. J'étais sûre que ça allait vous plaire! Trop drôle! Qu'est-ce qu'il y a? Tu as de la peinture sur le visage? Oh non, ma magnifique peau! C'est un vrai chef-d'œuvre, Sarah! Sois-en fière! Vos dessins sont excellents! Bravo à toutes les deux! Pour votre prochain défi, vous devrez peindre une licorne. Génial! J'adore les licornes! C'est un peu comme un cheval, c'est ça? Je suis trop nulle pour dessiner les animaux. Psst! Quoi? Hé, regardez, j'ai quelque chose qui devrait vous plaire. Tout ça est à vous si vous peignez la licorne à ma place. Sarah, je suis très déçue. Allez, essaye par tes propres moyens. Tant pis pour vous, je vais perdre, c'est sûr. Ça me semble un peu exagéré tout ça. Moi, j'ai une super astuce pour dessiner les licornes. D'abord, je trace le contour de ma main sur une feuille de papier, puis j'ajoute les détails à l'intérieur. Grâce à cette technique, c'est super facile de dessiner une licorne. Un peu de couleur. Le rose, c'est parfait pour une licorne. Oh, elle est trop mignonne. Je vais ajouter un peu de couleur à la corne. Waouh, c'était rapide. Et voilà, j'ai fini. Oh, regardez! On peut savoir ce qui te réjouit à ce point? Ça me donne une idée. Je n'ai qu'à copier sur Molly. Sauf que moi, je vais faire une licorne de luxe. Voilà qui fera une super corne. Une œuvre d'art, ça vaut de l'argent. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu es sérieuse? Tu as fait exactement la même chose que moi. Non, la mienne a beaucoup plus de valeur. Madame, regardez! Oh, regarde-moi ça! C'est magnifique! Bravo à toutes les deux! Je suis une véritable artiste! Bon, ça ira pour cette fois!
Oups! La 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 la! Wouhou! Oups, veuillez m'excuser. Cette fois-ci, ce sera une étoile. À vous de jouer. Qu'est-ce que c'est? Des fournitures? Peu importe. Tiens, Molly. Oh, incroyable! Waouh! C'est mon jour de chance! Je vais placer un pochoir sur ma feuille. Puis, à l'aide de mon pinceau multicolore, je vais peindre par-dessus le pochoir. Le résultat va être génial! Ensuite, je retire doucement le pochoir. Waouh! On dirait un arc-en-ciel! Elle est trop belle! C'est le mieux que tu puisses faire! Il faut que je passe un coup de fil. Allô? Oui, j'ai besoin d'aide! Que se passe-t-il? Que je dessine une étoile? Trop facile! Ce n'est vraiment rien pour un peintre de mon envergure. Prenez-en de la graine. Quelque chose de plus stimulant serait bienvenu, mais bon, que voulez-vous? Terminé! Allez-y, vous pouvez applaudir. Oui, je sais, j'ai beaucoup de talent. Oh, vous avez terminé? Oh, mais que vois-je? Une véritable œuvre d'art. Vous êtes ma muse. Oh, je vous en prie. Je pourrais vous peindre chaque jour. Je devrais peut-être vous laisser. Je n'ai jamais vu une beauté telle que la vôtre. Voilà pour vous. Vous êtes si romantique. L'inspiration me transporte lorsque je suis à vos côtés. Allons-nous-en. Hé, revenez! Et mon dessin alors? Oh! Tu es si doux et si mou. Oh, je peux le tenir. Oh, ça me donne une idée. Dessinez ce chat. Je savais que vous diriez ça. Pas si vite. Rendons les choses plus intéressantes. Faites-le les yeux bandés. Quoi? Vous plaisantez? Attendez, il n'y a qu'un seul. On doit se le partager. Je sais, jouons pour l'obtenir. Celle qui perd le met. Tu veux jouer contre moi? Ok, ça me semble juste. C'est parti. J'ai gagné! Youpi! Ne sois pas si mauvaise gagnante. Finissons-en. Je ne vois rien sans mes lunettes. Et j'ai peur du noir. Où est le stylo? Ah, je l'ai. J'espère que tout se passera bien. Comment ça se présente? Je préfère ne pas le dire. Je ferais mieux de m'y mettre. Comment procéder? Attendez! C'est quoi ça? Ce problème de maths pourrait m'aider. C'est ça! C'est la réponse! Qui aurait cru que les maths seraient si utiles? Allons-y! Je commencerai. Je commence par dessiner un 5, puis deux zéros ici. J'ajoute des lignes à l'intérieur des zéros. Ce grand cercle sera le visage du chat. J'ajoute un nez et des moustaches, puis deux yeux endormis. Ensuite, les oreilles. Je fais une boucle que je relie au 5, puis je dessine une queue. C'est bien! Je vais donner des rayures au chat. Je le fais sur tout le corps. Une fois que c'est fait, je peux le colorer. J'utilise du marron foncé pour les rayures et je colorie le corps en marron clair. Voilà un beau contraste. Ah, oh, parfait. Jetez un œil à ça. Ça vous rappelle quelqu'un? Waouh, c'est comme se regarder dans un miroir. Je savais que ça vous plairait. Comment ça se passe? J'ai un bon pressentiment. Oh, oublie ce que j'ai dit. Ce n'est pas mon meilleur travail. Si on plisse les yeux, il ressemble à un chat. Vous êtes sérieuse? Je pense qu'on tient notre gagnante. Allez-y, dites-le! Eh bien, Lizzie, attendez. J'ai fait de mon mieux. Ne faites pas cette tête. Que faire? Bon. Vous gagnez toutes les deux. Vous plaisantez? Ça? Ça marche à tous les temps. C'est une blague. J'attendais ça avec impatience. Rien de tel qu'une tasse de thé bien chaude. J'ai failli oublier. J'ai quelque chose pour aller avec. Une sucette savoureuse. Ça a l'air bon, non? Je l'ai bien mérité. Qu'est-ce qu'on est censé faire avec ça? J'ai du mal à trouver une idée. Oh, j'ai trouvé! J'ai ma propre sucette. Je la gardais pour après les cours. Mais ceci est plus important. Je la mets ici. Je peux l'utiliser comme modèle. Comme deux gouttes d'eau. Colorons-la en bleu. J'utilise le rouge pour le bâton. J'en ai l'eau à la bouche. J'utilise du blanco pour créer des reflets. Et un crayon normal pour faire des ombres. Ça la rend plus réaliste. J'en ai plus besoin. Hé! Oui? C'est pour vous. Vraiment? C'est très gentil. J'aime les sucettes.
Hein? Je ne peux pas la prendre. Ça glisse. Qu'est-ce qui cloche? Vous êtes tombé dans le panneau. C'est un dessin. Tu m'as roulé. Moi aussi, je peux jouer à ce jeu. Je commence par plier la feuille. Je vais faire un pli. Ensuite, je dessine en travers du pli. Je veux qu'il ressemble à une sucette. Ce sera le bâton. À présent, la couleur. Je mets la moitié supérieure en rouge et l'autre moitié en vert. J'ajoute quelques détails. Je veux qu'il soit beau. Je vais maintenant ouvrir le papier. Je trace une longue ligne rouge. Il faut réunir les deux moitiés. Changeons de couleur. Je veux créer un effet d'arc-en-ciel. Exactement ce que je voulais. Ensuite, je referme le papier. C'est amusant. Ahem, vous verrez ceci. C'est tout? Allons. Attendez, il y a un truc qui cloche. Je ne peux pas soulever le papier. Qu'est-ce qui se passe? Je sais. C'est de votre faute, pas vrai? Quoi? Je ne sais pas de quoi tu parles. C'est pas fini. Je pense que si. Waouh! Regardez-moi ça. C'est astucieux. Vous pouvez en être fière. Et toi, Lizzie? Attendez! J'attends. Donnez-moi une seconde! Tu me déçois, Lizzie. Eh bien, vous avez gagné. Oh, merci. C'était méchant! J'ai une bonne idée. On va essayer quelque chose avec des nombres cette fois. C'est bon, pas besoin d'applaudir. Des maths? Je croyais qu'on était dans un jeu! Je ne comprends pas bien ce qu'on doit faire, là. Je suis en train de m'admirer et vous gâcher le moment. Oh, il est méchant quand même. Laisse-moi réfléchir. Il doit bien y avoir quelque chose dont on peut se servir. Ouh, ça pourrait être utile. On ne se trompe jamais avec un livre de maths. Je vais peut-être trouver la solution dedans. Voyons voir. Non, ça ne va pas aller. Je n'ai pas de champ, ni de vache. Voilà ce qu'il me faut. Je savais que je pouvais compter sur ce livre. J'ai mon feutre au travail. Je vais d'abord écrire les chiffres 1 et 2. Ensuite, 3 et 4 ici. Et je vais les rattacher ensemble. Je vais dessiner quelques traits en plus. Et un grand arc de cercle. Et maintenant, la touche finale. C'est un éléphant tout mignon. Et je l'ai fait à partir de chiffres. On peut vraiment tout faire avec les maths. Qu'est-ce que je suis fière. Ok. D'accord. Attends, c'est ça votre grande idée? Je peux faire mieux que ça. Vous allez être épatés. Je vais dessiner deux petits ovales et deux autres en dessous. Enfin, j'en dessine des plus grands en bas de la feuille. Et là, c'est le moment de faire preuve d'imagination. Ensuite, je dessine les pattes. C'est comme s'il était assis. Oh, et les oreilles, bien sûr, c'est mieux. Ensuite, je vais ajouter des détails aux yeux. Ça va tout changer au résultat final. Je vais ajouter quelques traits sur sa trompe. Il va être trop mignon. Et il va vraiment ressembler à un éléphant. Je vais lui dessiner des ongles. Et une jolie petite queue. Maintenant, je peux colorier. Je vais prendre du noir pour les yeux. Ce n'est pas le moment de tout gâcher. Et ce gris est parfait pour son corps. Voilà, j'ai fini. Il est sublime. Ça, c'est un éléphant. C'est vraiment réussi. Mais ce n'est pas à nous de choisir. Et on est prête. Vous avez fini? Waouh! Oh, si c'est pas mignon! Bravo, Luna! Mais où sont les chiffres? Attendez! Quoi? Je croyais que on ne devait pas dessiner des éléphants? Bon, il n'y a qu'une gagnante! Bravo! Merci! J'aimerais remercier ma mère, mon père et mon chien Rover. J'espère que vous êtes prêtes pour le tour suivant. Oula, vous avez entendu ça? J'ai le ventre qui gargouille. Je sais comment remédier à ça. C'est l'heure de manger. Je rêvais qu'il dit ça. Où est la nourriture? Il faut faire quelque chose. Pah, d'accord. Tenez, vous avez intérêt à faire preuve de reconnaissance. Waouh, regarde-moi ça. On a plein de choix. Je veux le chocolat et la banane. Où sont les bonnes manières, jeune fille? Bon, je vais prendre ça, moi. Ah, vous voulez la jouer comme ça? D'accord, je vais prendre ça alors. Pas si vite. Vous les avez cassés. Moi? Tout est de ta faute. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Attends, je sais comment faire. Je vais casser le chocolat en petits bouts et je vais les mettre dans le pop-it. Je vais complètement le recouvrir. Je vais le faire fondre pour qu'il remplisse les trous. Maintenant, il me faut les bretzels. Je vais les mettre dans le chocolat. On dirait des sucettes. Et maintenant, il faut que j'attende que le chocolat prenne. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Je vais les enlever du pop-it. Oh, toutes petites, toutes mignonnes. Et elles vont être tellement bonnes. Je ne peux pas décrire ce que je ressens.
Waouh, c'est malin. Je vais prendre la tortilla, je vais l'étaler sur la table. Et je vais prendre le chocolat. Je vais m'en servir comme d'une pâte à tartiner. Je vais poser la banane dessus et rouler la tortilla. Mais je n'ai pas encore fini. Je vais faire fondre le chamallow et saupoudrer de noix de coco. Ensuite, je la coupe en plusieurs bouts. C'est comme un sushi sucré. Je vais ajouter un peu de chocolat par-dessus. Ça donne très envie. Non, choisissez mon assiette. Vous savez que mon plat est meilleur. Les deux ont l'air excellents. J'ai hâte de les goûter. Waouh, regarde ça. C'est dur. Mais j'ai fait mon choix. Égalité. Ouais, je m'en suis bien sortie. Hein? C'est passé où? Ça donne faim d'être un présentateur charismatique, si vous permettez. Oh oui, c'est ça qui est bon. Me revoilà, beau et parfumé. Voilà le nouveau défi. C'est un contrôle diaboliquement difficile. Un contrôle? Mais je n'ai pas révisé. Heureusement que j'ai mon portable. Ça, c'est ce que tu crois. Mais oh, on se croirait en cours. Mais je n'ai pas le choix que d'obéir aux règles. Mais les règles sont faites pour être enfreintes. J'ai une super idée. Regarde un peu. J'ai une photo de crayon de couleur sur mon portable. Je vais zoomer et le mettre dans ma trousse. C'est à s'y méprendre. Il ne va se rendre compte de rien. Et maintenant, je peux répondre aux questions. Et je vais réussir haut la main. Je n'aurais jamais su ça. Les contrôles sont beaucoup plus simples quand on triche. Ce n'est pas une si mauvaise idée. Je suis vraiment en train de faire ça. Je vais cacher mon téléphone dans cette plante. Sérieusement? J'ai d'autres idées sous le coude. En fait, non. C'est dur à voir. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Je suis comment? Je vous en prie, arrêtez. C'est trop. Comment je vais faire? Eh, je sais. C'est sûr que ça va marcher. Mais il me faut un cahier. Oh, il y en a un dans ce tiroir. Comme c'est pratique. Il faut que je me dépêche. Je vais ouvrir le cahier. Ensuite, je prends mon portable et je le pose sur la feuille. Je vais l'emballer dans du papier pour qu'il se fonde dans le cahier. Il faut que je sois discrète. Je n'ai qu'à retourner mon portable et il disparaît. C'est un tour de magie. C'est comme si de rien n'était. Il ne se doute de rien. Posez vos stylos, c'est fini. Je le sens bien. On va voir comment vous vous en êtes sortis. Dis donc, tu m'épates, Luna. Je pensais que tu allais avoir du mal. J'ai fait de mon mieux, mais je n'ai pas eu assez de temps. C'est la première fois que je rate un contrôle. Il y a une première fois à tout, mais ça me facilite la tâche. C'est Luna qui gagne. Je suis plus intelligente que vous. Bien joué, Luna. Ce contrôle est trop dur. Même ce truc ne m'aide pas. À moins que... deux calculettes moins une calculette... Ça va le faire. Prends ça. Ouais, la réponse est 1. Pas vrai? J'ai répondu à la question. Je suis un Einstein des temps modernes. Ah oui, Einstein. Tu réfléchiras à la question pendant tes heures de colle. Non! Il faut que je sorte d'ici. Je déteste les heures de colle. Nouvelle journée et nouvelle punition sans intérêt. J'en ai trop marre. Zoé, on y va! Allez! J'ai cru que ça n'en finirait jamais. J'ai terminé. Oh, c'est très bien. Voilà la deuxième pile. Quoi? Encore une? À plus tard. Ne pars pas! C'est la pire journée de ma vie. Oh. C'est comme ça qu'on fait les choses. Attends, je n'ai plus d'encre. C'est ça d'avoir trop écrit. Bon, je vais en prendre un autre. J'avais oublié ce truc. Je n'ai plus de stylo là-dedans. Ça ne va pas m'aider. Un goûter ne me ferait pas de mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Des liens de serrage? En fait, ça pourrait faire l'affaire. Je crois que je vais enfin réussir à sortir. Bonjour, madame. Si je n'arrive pas à sortir d'ici, tu ne partiras pas non plus. Bon courage pour t'extirper de cette chaise. Un stylo? C'est parti pour s'amuser. C'est bon, j'ai tout fini. Déjà? J'ai une autre pile pour toi. Ah! Oula! Qu'est-ce qui se passe avec cette chaise? Je suis coincée.
Tu vas le payer cher. Tant pis. Salut. Reviens ici tout de suite. Oh, je n'en peux plus d'être assise ici. La prof ne regarde pas. Je peux voir. Ne joue pas avec moi. Cette femme voit tout. Quelle débutante. Je n'y arrive pas. Psst. Gabi? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'elle? Mais non! Je me retrouve là toute seule! Attends une minute! J'ai plus besoin de ça que toi! Tu vas me donner un coup de main! Comme ça, je peux lire mon anti-sèche en paix! J'y arrive beaucoup mieux maintenant! Zoé! Comment? J'ai presque fini! Parfait alors! Elle est complètement tombée dans le panneau! Pas faire de bruit... Sur la pointe des pieds! Phew! Il y a quelqu'un dans le coin? Je n'ai pas l'impression! Oh! Eva est tellement belle et gentille! Je vais ranger ça parce qu'il faut que je sois courageux! Elle va adorer ce muffin! Je l'ai fait exprès pour elle! Oh non! Elle arrive! Elle est juste là! Il faut que je parte d'ici et vite! Je vais me cacher dans ce coin! Bon, elle est devant son casier! Elle regarde son portable! Non, 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 non! C'est pas possible! C'est Jake! Salut Eva, je voulais t'offrir ça. C'est pour moi? Waouh! Ça a l'air délicieux! Je vais goûter cette fraise. Trop bonne. Tu en veux une? Non! C'est pas juste! Comment il a fait pour me battre? Bon, cette fois c'est la bonne. Je crois qu'elle aime beaucoup les tulipes. Salut Eva! Hein? C'est quoi ça? Oh, salut! Je peux t'aider? Oh, non, pardon. Oublie. Bon, d'accord. Ces roses sentent super bon. Eva n'a pas de cahier. C'est l'occasion rêvée. Tiens, Eva, prends mon cahier. Non, prends le mien. En plus, tu adores le violet. Oh, elle va encore choisir Jake. Regarde, j'en ai trois pour toi en plus. Waouh, la couverture de ton cahier est marrante. Hein? C'est pas vrai! J'ai pris un ensemble de sequins et de perles. J'ai essayé de mélanger le maximum de couleurs. Et ensuite, j'ai récupéré le couvercle de cette boîte de chips. J'ai mis de la colle chaude sur tout le contour. Et je l'ai collé sur le cahier. Et voilà! Fini! Un cahier amusant et brillant! C'est fou que tu aies fait ça toi-même! Je t'ai aussi pris des tulipes. Pourquoi t'es si lourde? Ah, bon, ça suffit, je dois y aller de toutes mes forces. Oh Eva, je peux utiliser de la magie de licorne pour me débarrasser des meubles. Waouh, merci. Maintenant, je vais enlever ces rideaux du passage. Une seconde, s'il te plaît. Eva, tu es trop mignonne. Attends, laisse-moi t'aider avec ça. Ouf, merci, j'étais légèrement coincée. Et si on faisait en sorte que ça n'arrive plus? On va commencer avec cette laine. Je vais enrouler le fil autour de ma main, comme ça. Bien. Quand j'en aurai assez, je vais le retirer de mes doigts. Ensuite, j'enroule du fil autour du milieu. Je l'attache et je prends mes ciseaux. Il va falloir couper les extrémités comme ça. Je dois m'assurer de tous les découper en laissant un fil dépassé. Parfait! J'ai fait un joli petit pompon de laine. Je n'ai plus qu'à l'ajouter aux autres couleurs que j'ai déjà faites. J'ai laissé la queue pour pouvoir attacher le pompon à une ficelle. Je coupe l'excédent et c'est prêt à l'emploi. C'est parti! J'ai fait de nouveaux rideaux pour ta fenêtre. Ils sont jolis, n'est-ce pas? Ils ne te donnent pas le sourire? Ils sont tous de différentes couleurs et de différentes tailles. C'est tellement beau à la lumière du soleil. Ça illumine vraiment la pièce. Je les adore, licorne! Merci pour le compliment, Eva. Oh, mais je vois qu'il y a encore du travail à abattre par ici. Mais je suppose que d'autres petits pompons colorés pourraient m'aider. Maintenant, il est temps d'introduire mon fidèle pistolet à colle. Je viens d'ajouter un peu de colle sur le pompon et je vais le coller au tabouret. Puis je fais la même chose avec tous les autres et je les dispose en arc-en-ciel, bien sûr.
Tada! Eva, regarde, je t'ai fait un tabouret pour que tu n'aies pas à t'asseoir par terre. Waouh, c'est si confortable! Merci, licorne! Je t'ai fait ce dessin! Tu as dessiné ça pour moi? Waouh, merci beaucoup! Je pense qu'on devrait l'accrocher ici, sur le mur. Ou peut-être ici. Attends une seconde, je viens d'avoir une idée. Je vais utiliser cette toile blanche et de la colle chaude. J'ai tracé une courbe et je vais mettre de la laine dessus. Ensuite, je répète l'opération avec de la laine de couleurs différentes. Car comme tu le sais, on continue avec des motifs arc-en-ciel. Jusqu'au bord de la toile. Juste un dernier fil et voilà! Le tableau est terminé! On peut l'accrocher juste à côté de tes œuvres d'art. Waouh, licorne! J'ai presque l'impression d'être dans un musée! Il y a plein d'œuvres à admirer! Je suis trop contente! Eh bien, j'en suis ravie! On a vraiment mis des couleurs dans ta... Entendu, à ce soir, maman! Stop! Vous avez de la nourriture sur vous? Ah ah! C'est bien ce que je pensais! Pas de nourriture! Bon, tant pis! Salut, gros naze! Ah! Aïe! Ah! Ça fait mal! Oh non! Mes friandises! Laissez-moi vous aider! Salut! Salut! J'aime bien votre moustache! Merci! Je la fais pousser moi-même! Et pas de nourriture à l'intérieur! Oh, ce n'est pas juste! J'imagine que je vais ramasser ça toute seule! Oh, j'ai une super idée! Retirez les pics de votre brosse à cheveux. Placez les bonbons dans la brosse, puis remettez les pics en place. Voilà votre propre réserve secrète de bonbons! Il faut bien que je prenne soin de mes cheveux! Encore vous? Stop! J'espère que vous n'êtes pas encore en train d'essayer de faire entrer de la nourriture! Je n'y avais même pas songé! Bon, vous pouvez entrer à la piscine. Merci! Quelle journée! Coucou maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Je n'arrive pas à croire qu'il faille faire tout ça juste pour des bonbons! Mais comme je dis toujours, les haters peuvent aller se promener! Maintenant, j'ai tous les bonbons que je veux! Miam! Oh, quel joli nécessaire de peinture! Oh, je suis trop jalouse! Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je pourrais peut-être le réparer! Il me faut juste une mèche de cheveux! Pourvu que Sarah ne remarque pas! Ça devrait faire l'affaire! Maintenant, je vais l'attacher au pinceau! Et voilà, il ne me reste plus qu'à peindre! Tiens, ça me dit quelque chose, ça! Un peu trop, d'ailleurs! Oh non, ne me dis pas que... Ce sont mes cheveux! Oh non, mes cheveux! Mais qu'est-ce que tu as fait? Rends-moi ça! Hein? Si tu continues, je vais t'en prendre encore! Arrête ça tout de suite! Puisque c'est comme ça, je ne vois pas d'autre solution! En retenue! Oh, je ne m'attendais pas à ça! Où est-ce qu'on est? Bonjour, bienvenue au défi artistique! Voyons ce que la roue vous réserve! 1, 2, 3, c'est parti! Oh! Une fleur? Ça va, c'est facile! On est vraiment obligé de faire ça? Je ne sais pas quoi faire! Hé! En fait, je crois que j'ai une idée! Mais bien sûr, je suis un génie! Je vais déposer mes bijoux à plat sur ma feuille, puis je les recouvre de peinture. Ce n'est pas la peine d'en mettre des tonnes. Je vais aussi ajouter d'autres couleurs. Bien, je crois que c'est bon. Avec l'extrémité en bois de mon pinceau, je vais ramener les bracelets doucement vers moi. Et en même temps, ça étalera la peinture. Et aussi mélanger toutes les couleurs. Et voilà comment moi je dessine une fleur. Pas mal, non? Waouh! Très impressionnant! Parfait, je vais pouvoir faire quelques retouches de maquillage. C'est maintenant ou jamais! Il faut que je sois toujours au top. J'ai une réputation à tenir. Ouais, bien sûr! C'est exactement ce qu'il me faut! Maintenant, à mon tour de dessiner une fleur. Je vais déposer la peinture en tapotant le pinceau à maquillage, puis je refais la même chose avec un peu de vert. Waouh, c'est super! Maintenant, je vais ajouter quelques détails. Et voilà, c'est trop beau! Il vaudrait mieux que je le remette à sa place. Qu'est-ce que tu fais? Rien du tout! Ouais, ne me dérange pas pendant que je me maquille. Je suis tellement glamour! Bien, le temps est écoulé! Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est prenant, n'est-ce pas? De mon côté, c'est légèrement plus subtil. Excellent travail! Tu as un style très original, Sarah. J'étais sûre que ça allait vous plaire! Trop drôle! Qu'est-ce qu'il y a? Tu as de la peinture sur le visage? Oh non, ma magnifique peau!
C'est un vrai chef-d'œuvre, Sarah. Sois-en fière. Vos dessins sont excellents. Bravo à toutes les deux. Pour votre prochain défi, vous devrez peindre une licorne. Génial! J'adore les licornes! C'est un peu comme un cheval, c'est ça? Je suis trop nulle pour dessiner les animaux. Psst! Quoi? Hé, regardez, j'ai quelque chose qui devrait vous plaire. Tout ça est à vous si vous peignez la licorne à ma place. Sarah, je suis très déçue. Allez, essaye par tes propres moyens. Tant pis pour vous, je vais perdre, c'est sûr. Ça me semble un peu exagéré tout ça. Moi, j'ai une super astuce pour dessiner les licornes. D'abord, je trace le contour de ma main sur une feuille de papier, puis j'ajoute les détails à l'intérieur. Grâce à cette technique, c'est super facile de dessiner une licorne. Un peu de couleur. Le rose, c'est parfait pour une licorne. Oh, elle est trop mignonne. Je vais ajouter un peu de couleur à la corne. Waouh, c'était rapide. Et voilà, j'ai fini. Oh, regardez! On peut savoir ce qui te réjouit à ce point? Ça me donne une idée. Je n'ai qu'à copier sur Molly. Sauf que moi, je vais faire une licorne de luxe. Voilà qui fera une super corne. Une œuvre d'art, ça vaut de l'argent. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu es sérieuse? Tu as fait exactement la même chose que moi. Non, la mienne a beaucoup plus de valeur. Madame, regardez. Oh, regarde-moi ça. C'est magnifique. Bravo à toutes les deux. Je suis une véritable artiste. Bon, ça ira pour cette fois. Oups. La 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 la. Wouhou. Oups, veuillez m'excuser. Cette fois-ci, ce sera une étoile. À vous de jouer. Qu'est-ce que c'est? Des fournitures? Peu importe. Tiens, Molly. Oh, incroyable! Waouh! C'est mon jour de chance! Je vais placer un pochoir sur ma feuille. Puis, à l'aide de mon pinceau multicolore, je vais peindre par-dessus le pochoir. Le résultat va être génial! Ensuite, je retire doucement le pochoir. Waouh! On dirait un arc-en-ciel! Elle est trop belle! C'est le mieux que tu puisses faire! Il faut que je passe un coup de fil. Allô? Oui, j'ai besoin d'aide. Que se passe-t-il? Que je dessine une étoile? Trop facile. Ce n'est vraiment rien pour un peintre de mon envergure. Prenez-en de la graine. Quelque chose de plus stimulant serait bienvenu, mais bon, que voulez-vous? Terminé. Allez-y, vous pouvez applaudir. Oui, je sais, j'ai beaucoup de talent. Oh, vous avez terminé? Oh, mais que vois-je? Une véritable œuvre d'art. Vous êtes ma muse. Oh, je vous en prie. Je pourrais vous peindre chaque jour. Je devrais peut-être vous laisser. Je n'ai jamais vu une beauté telle que la vôtre. Voilà pour vous. Vous êtes si romantique. L'inspiration me transporte lorsque je suis à vos côtés. Allons-nous-en. Hé, revenez! Et mon dessin alors? Oh! Cette fois-ci, ce sera un cœur. Vous allez avoir besoin de matériel. Allez les filles, c'est parti. Regardez-moi tous ces feutres. C'est incroyable. Waouh! Quoi? C'est tout ce que j'ai? Sérieusement? Bonne chance! Oh! J'ai une idée! Ça va être absolument géant! Je vais dessiner un énorme cœur et c'est parti! Maintenant, je vais en faire un plus petit à l'intérieur. Parfait! Je n'y arrive pas! Hé! Jette un œil à mon dessin! Il est très joli! Bon allez, il faut vraiment que je m'y mette! Ça y est, je crois que je tiens quelque chose. Je vais dessiner avec un crayon et un feutre en même temps. Et maintenant, tiens-toi bien, je vais tracer un trait horizontal au milieu. Voilà, parfait. Et je vais ajouter quelques nuances de gris. Comme ça, ce sera comme si mon cœur était en relief. Tout se passe comme prévu. Maintenant, je vais découper la feuille juste au-dessus du cœur. Madame, j'ai fini moi aussi! Désolée. Très bien, montrez-moi vos chefs-d'œuvre. Oh, c'est très original, Molly. J'aime beaucoup. Sarah? Où est ton travail? Juste là, madame. Oh! C'est comme du street art. Deux approches très différentes, mais tout aussi intéressantes. Félicitations! Oh, merci!
Oh, oups, vous m'attendez, c'est ça? Faisons tourner cette roue. C'est tellement amusant. Génial, un arc-en-ciel, il va me falloir des tonnes de peinture. Pour moi, ça devrait aller. Je vais simplement tracer une courbe. Oula, c'est beaucoup plus difficile que ce que je pensais. Oh, je ne m'en sors pas du tout. Eh mais, je pourrais me servir de ça après tout. Je crois que j'ai trouvé la solution. Je prends une bande de papier et je la plie en plusieurs endroits comme ceci. Tout en haut, je vais dessiner la tête. Et les yeux? Jusque-là, c'est pas mal. Je me sens d'humeur créative. Hé, fais attention! Oups! Ça rendra peut-être son dessin un peu plus meilleur. Bon, passons au coloriage. Pour le moment, je laisse les yeux blancs. Ce rose est tellement flashy. Il faudrait que je me trouve un vernis de la même couleur. Je vais faire le collier en jaune et enfin les yeux en vert. Quel mignon petit chaton! Et regarde, il a même un sourire arc-en-ciel! Je vais montrer ça à Molly. Bouh! C'est trop drôle! Bon, il faut que je nettoie toute cette peinture avant de commencer. Oh là là, c'est encore pire! Oh mais c'est génial! Je vais me servir de cette éponge! Quelle bonne idée! J'ai déjà peint la toile en bleu. À présent, je me sers de l'éponge pour dessiner des nuages blancs. Ensuite, je vais faire couler de la peinture orange, tout simplement. Puis, je fais la même chose avec les autres couleurs. Et voilà, c'est terminé. Hé, attention à ma tête! Madame, regardez par ici! Oh, fais voir Molly. C'est très original et coloré. Magnifique! Ta-da! Waouh! C'est très amusant, Sarah. Je suis très fière de vous deux. Vous avez bien mérité une récompense. Sarah, on s'en est très bien sortis. Lâche, Emily. Non, il est à moi. Je l'ai vu en premier. Stop! Il n'y a qu'un seul moyen de régler ça. Oh, alors c'est comme ça, hein? Allons-y. Je veux les cercles. Je gagne toujours avec les cercles. Le milieu. Tu as commencé au milieu? Je vais t'avoir. Tu es en train de tomber dans mon piège. Je savais que tu ferais ça. Ça va être du gâteau. C'est pas encore fini. Et là, tu vas faire quoi? Regarde, tu vas voir. J'aurais dû le voir venir. Attends, je sais. Mais t'as pas le droit de faire ça. Ah ouais? Eh bien, je l'ai fait. Et regarde, j'ai gagné. Non, c'est pas comme ça que ça devait se passer. Bon, tu peux avoir la peluche. Wouhou! Oh, regarde ses yeux. Je pourrais me perdre dedans. Il est tellement parfait. Il a toutes les qualités qu'un homme doit avoir. On ferait un si joli couple. Attends, il y a peut-être un moyen. Mon livre de sorts pourrait être utile. Qu'est-ce qui pourrait bien arriver de toute façon? Mais d'abord, il me faut une amulette. Je vais juste faire de la place. J'ai besoin d'un bol de résine époxy, puis j'ajouterai des paillettes. Ça le fera briller. Maintenant, il faut mélanger. Il faut que ce soit bien homogène, comme ça. Ensuite, je verse le tout dans un moule. J'en utilise un en forme de cœur. Waouh, regarde cette couleur! Je vais le remplir jusqu'en haut. Et ensuite, attendre que ça prenne. Je peux retirer le moule et y ajouter une chaîne. Waouh, c'est magnifique! C'est pile ce qu'il me fallait! Mais je n'ai pas fini! C'est l'heure du sortilège! Qu'avec ce collier, Matthew commence à m'aimer! Qu'il lui montre que je suis sa destinée! Qu'il soit le phare qui permette de le guider! Oh, ça fonctionne! J'en reviens pas! Oh ouais, c'est parti! Emily? Waouh! Il m'a remarqué! Je devrais aller lui parler. Salut, Emily. Tu as l'air en pleine forme aujourd'hui. Waouh, j'adore ton collier. Il y a quelque chose de très hypnotisant. Hein? Est-ce que ça va? Je crois que je vais y aller. Attends, tu ne vas nulle part. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi! Ok, je ne l'avais pas vu venir. Emily, ouvre! Non, merci. C'était vraiment une idée stupide. Tiens, prends-le. J'en veux plus. Tiens, d'où est-ce que ça vient? C'est trop bizarre. Une seconde, le collier, il me le faut. N'approche pas! Oh, monsieur Licorne, tu es tout doux. Je pourrais te câliner toute la journée. Attends une minute. Est-ce que c'est ma dent? Comment?
Comment c'est arrivé? Ça veut dire que la petite souris va passer. Maman, viens voir. Tout va bien, chérie? Regarde, j'ai perdu une dent. Mon petit garçon est en train de grandir. Je sais ce que je veux de la petite souris. Je veux ses AirPods. Alors, tu ferais bien de la mettre sous ton oreiller. Bonne idée, maman. Comme ça, elle sera en sécurité. Et maintenant, on l'attend. C'est tellement palpitant. Tu dois aller dormir. Elle sera bientôt là. Oh, d'accord. Je ne peux pas oublier Monsieur Licorne. Bonne nuit, maman. Fais de beaux rêves. À demain matin. C'est à moi de jouer. Regarde-le, il est tellement adorable. Je vais juste attraper la dent, en espérant ne pas réveiller Matthew. Je l'ai. Maintenant, je peux l'échanger contre ses AirPods. Ça semble être une bonne affaire. J'espère qu'il les aimera. Une minute. Je devrais les personnaliser un peu. Il me faut mon stylo 3D. Je vais commencer par dessiner des lignes verticales autour de l'étui. Je vais les dessiner bien collées. Je ne veux pas d'espace. Une fois que c'est fait, je peux commencer le couvercle. Je vais faire des petites lignes sur un côté du couvercle. Puis je passe sur les côtés. Ça devrait le faire. J'ai dessiné une licorne sur une feuille. Je vais utiliser le stylo 3D pour la remplir. Il faut juste que j'évite de dépasser. La première partie est terminée. Ensuite, je vais dessiner l'oreille et maintenant l'autre côté. Je vais changer de couleur et remplir les autres sections. Je veux qu'elles soient colorées. Les sections vont se rejoindre. Ça a l'air génial! Je ne dois pas oublier la corne. Ça a l'air parfait. Maintenant, je peux ajouter la touche finale. J'en suis plutôt satisfaite. Je vais mettre ça sur l'étui. Le couvercle ressemble à la bouche d'une licorne. Matthew va l'adorer. C'est prêt pour être glissé sous l'oreiller. Ça va être une belle surprise. J'ai hâte de voir sa tête. J'ai beaucoup de chance. Je me demande si la petite souris est passée. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Waouh! Regarde ça! C'est génial! Ouh! Maman! Qu'est-ce qu'il y a, chérie? La petite souris est passée? Elle a laissé ça rien que pour moi. Waouh! La petite souris a beaucoup de talent. J'ai hâte de les essayer. Tu prends celui-là, maman. C'est cool, hein? Tout à fait. La 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 la! Oh, ces lunettes de soleil sont super sales. C'est mieux comme ça. Oh, un client! Je suis ici pour dépenser beaucoup d'argent. Voilà ce que j'aime entendre. Oh, misère! Qu'avons-nous là? C'est censé être à la mode. J'aime bien. Qu'est-ce que vous avez d'autre? C'est de ça que je parle. C'est comme si elle m'appelait. Essayons-le. C'est tout à fait vous. Évidemment, tout me va à merveille. Hé, j'adore l'ensemble. Mais ce qui le mettrait vraiment en valeur, ce sont ces lunettes. Vous seriez fabuleux. J'aime avoir l'air fabuleux. Ça semble intéressant. Essayez-les. Je crois que je vais les passer. En général, je préfère que ce soit plus bling-bling. Je les adore, regardez. Je ne suis pas sûre. Non, ce n'est pas pour moi. Est-ce que vous venez de... Peu importe. Et celle-là? D'accord, je vais les essayer. Je ne sais pas. Je dois avoir quelque chose qui vous plaît. J'ai tellement de styles différents. Non, non. Pas moyen. Je n'aime aucune d'entre elles. Pourquoi pas mes lunettes? J'en ai fini ici. Non, attendez! Qu'est-ce qu'il y a? Il me reste une chose à vous faire essayer. Réfléchis, il faut que je fasse cette vente. Oh, ça, c'est pas mal. Non, j'ai utilisé tous mes souhaits. Ah, mon fidèle pistolet à colle ne me laisse jamais tomber. Je vais utiliser de la colle à paillettes pour dessiner une forme. Je veux que ça ressemble à un nuage. C'est amusant. Maintenant, je dois faire un deuxième nuage. Ce seront les montures de mes lunettes personnalisées. Maintenant, je peux les rassembler. Ensuite, il me faut de la résine époxy bleue. Je vais l'injecter dans les nuages. Je vais faire la même chose dans le deuxième nuage. Ce seront les verres. Maintenant, il faut attendre que ça durcisse. J'ai fait des branches pour les lunettes. Pas mal, hein? En tout cas, moi, je les porterai. Jetez-y un coup d'œil. Ça m'intrigue. Donnez-les-moi. Elles sont mieux que les autres.
Je me sens merveilleusement bien. C'est exactement ce que je voulais. Oh, je suis tellement soulagée. Je vais les prendre. Combien coûtent-elles? 5 $. Je veux dire, attendez. Elles sont uniques en leur genre, vous savez. Donc ce sera 500 $. C'est entendu. La beauté n'a pas de prix. Waouh! Merci! Non, merci à vous. À plus. Ciao! Revenez quand vous voulez. Je n'arrive pas à croire que ça ait marché. Je suis tellement nerveux. Je vais juste lui poser une question, c'est tout. Emily, il faut que j'aie l'air plus confiant. Emily, non, ça a l'air effrayant. Emily, c'est pour toi. C'est un symbole de mon amour. J'espère que tu ressens la même chose. Oups! Oh non! Où est-ce qu'elle est passée? Elle doit bien être quelque part par là. Pourquoi ça m'arrive tout le temps? Oh oh! Salut, Emily! Je faisais juste quelques pompes. On s'assoit? Tu es ravissante. C'est trop gentil. Je le pense. Attends, c'est du vernis à ongles? Je peux te l'emprunter? Pourquoi? Fais-moi confiance, ça va tout arranger. Je vais tracer une ligne au vernis autour de mon pansement. Il faut qu'elle soit fine. Une fois qu'elle est sèche, je vais la peindre. Le rose, c'est la couleur parfaite. Je vais faire des stries avec cette nuance plus foncée. C'est joli! Et je vais terminer par un cœur. C'est parfait! Je ferai mieux de ne pas la laisser tomber, celle-ci. Ok, c'est parti! Emily? Qu'est-ce qu'il se passe, Matthew? Oh là là! Est-ce que tu plaisantes? J'ai une question à te poser. Je n'arrive pas à le croire! Veux-tu m'épouser? Bien sûr que oui! J'espérais que tu dirais ça. Je n'ai jamais été aussi heureuse. Ouais, un autre défi! Tu n'as qu'à ouvrir le tien en premier cette fois. Tu ne veux pas commencer? Quoi, moi? C'est vrai? Oh là là, j'adorerais! C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai! Tu vois ce que je vois? Un gâteau tout entier! Avec plein de biscuits et des donuts entiers sur le dessus! C'est incroyable, non? Tu sais quoi? Je suis prêt à attaquer! Incroyable! Je crois que je n'ai jamais rien mangé de meilleur. C'est vrai que ça a l'air bon, même d'ici. Je ne veux pas m'arrêter. Dis donc, tu as tout mangé d'un coup. À mon tour de voir ce que j'ai. Oh, mais non! Moi aussi, j'ai un gâteau! Décoré avec des donuts et des bonbons. Ce sont des chamallows, ça? J'ai l'impression. On dirait un buffet à volonté de sucreries. Je suis sûre que ça va être aussi bon que le tien. Elle va y passer du temps à ce rythme. Je vais l'aider. Je vais piquer un bout au milieu quand elle ne regarde pas. Et voilà. C'est vrai que ça a l'air bon. Elle n'a rien vu. Hop. Ah, une autre bouchée. Hein? C'est quoi ça? Il y a un gros trou au milieu. Et je crois savoir qui est le coupable. Hé! Tu te prends pour qui, là? Quoi, moi? Voler ton gâteau? Jamais! Bon, peu importe, je vais goûter une de ces décorations. J'adore trop les chamallows. Bien sucré. Ça donne envie. Je vais prendre un tout petit bout du dessus. Allez, viens! C'est bon! Hop, dans ma bouche! Hein? C'est quoi ce bruit? Hé! Je n'y crois pas, tu as déjà mangé la moitié de mon gâteau! Hein? Quoi? Moi? Mais non, ce n'était pas moi! Je ne ferai jamais rien de tel, promis! Tu promets? Ce n'est pas ce que disent les dents! Hein? De quoi tu parles? Tiens, regarde-toi, voleur de gâteau! Tu vois, je te l'avais dit! Très bien, qu'avons-nous ensuite? Des nouilles! Qui n'aime pas des bonnes nouilles, n'est-ce pas? Mais bien sûr, je veux qu'elles soient colorées. Des nouilles arc-en-ciel, s'il vous plaît. Hein? Des nouilles arc-en-ciel? Je sais pas comment faire. Quoi? T'as une idée? Parce que moi, non. Waouh, c'est sorti de nulle part. Voyons voir ce qu'il y a dedans. Hein? Eh, mais il y a rien là-dedans, c'est vide. Oh, ma pauvre enfant, regarde dans l'assiette. Oh, l'assiette, bien sûr. Je savais que c'était là, hein. On dirait des nouilles instantanées. Et du colorant. Eh, donne-moi ça. Alors, je prends un bol d'eau et je vais y ajouter du colorant rouge. Et voilà, ça devrait suffire pour le rouge. Et maintenant, il est temps d'ajouter les nouilles. Je vais devoir remuer le tout, à la fois pour ramollir les nouilles et pour mélanger la couleur. Regarde-moi ça, les nouilles sont devenues toutes rouges. Et maintenant, on les met dans l'assiette avec les autres couleurs. Elles sont très bonnes, tu ne trouves pas?
Quelle est cette odeur fabuleuse? Waouh, génial! Eh, pas question de manger des nouilles avec tes doigts. Ne bouge pas, je vais chercher des couverts. Oh, du Nutella, trop bien! C'est quoi ça, là-bas? Pourquoi tu m'as brisé le cœur? Je l'ai pas fait exprès! Waouh, c'est un véritable bout en train, ça m'épuise. Ça lui prend une éternité! Combien de temps je suis censée attendre? Non, ne mange pas les nouilles avec tes doigts, blablabla! Ça suffit, à moi les nouilles! Hein? Hé, hey, arrête! Elle est en train de manger toutes les nouilles! Oh non, elle arrive! Je ferais mieux de prendre ça et de courir! J'ai trouvé des fourchettes! Hein? Où sont passées les nouilles? Elle croit pouvoir m'échapper. Il me suffit de suivre les nouilles. Hein? Oh, coucou, tu m'as trouvé! J'arrive pas à croire que tu aies mangé toutes les nouilles sans moi! Pas tout, en vérité! Je t'en ai laissé un petit peu! Je m'ennuie tellement! Donc, comme vous voyez, c'est super simple! Oh, attends! J'ai failli oublier! Regarde ce que j'ai! Tu en veux? C'est trop bon! Oh oui, je veux bien! Ce cours de maths vient de devenir plus intéressant. Tu entends quelque chose? Les maths sont plus importantes que le chewing-gum! Je prends ça! Vous me décevez beaucoup! Comment est-ce qu'on peut apporter des friandises en cours? Aïe! Ma main! Attends une minute! C'est une trop bonne idée! Fais-moi un bandage! Heureusement que j'ai suivi les cours de premiers soins. Je vais t'enrouler le chewing-gum autour de ton bras comme ça. Il faut que ce soit bien serré. Dis donc, pas mal! On peut aller en cours! C'est l'heure du goûter! Ce bandage est trop bon! Prends-en un peu! Oh, ça fait du bien! C'est quoi tout ce bruit? Les filles, vous dérangez encore le cours? Nous? Non, pas du tout! Ça a fonctionné à merveille! Préfères-tu être riche ou pauvre et très intelligent? N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour d'autres vidéos amusantes! Je pense que tout est prêt! Je veux que cette fête soit parfaite! Attends une minute, ça n'a pas l'air bien! Mais c'est facile à arranger! Je vais mettre ces cupcakes ici. Je vais juste redresser ça. Alors, ça donne quoi? Je ne suis toujours pas contente. Salut, Lily! Ça a l'air bien. Oh non! Mickey, ne t'assieds pas! Hein? Non! Oh, oh! Quelque chose cloche ici! Pourquoi le canapé est-il tout mou? Oh non! Je me suis assise sur les gâteaux! Ils n'ont pas l'air trop abîmés. Oups! Mais tout va bien. Je peux m'en occuper. Où est-ce qu'elle va? Tu vois, je t'avais dit que je... Waouh! Oh! Ne t'inquiète pas pour moi, sauf juste les gâteaux! Oh non! Il pleut des gâteaux! Oh! Tu vas bien, Mickey? Ça ne s'est pas passé comme prévu. Je suis vraiment désolée, Lily. J'essayais juste de t'aider. Pourquoi ça m'arrive toujours à moi? La fête est fichue! C'était un accident! Attends! J'ai une autre idée! Je vais commencer avec ces moules à glace. Je vais mettre des morceaux de gâteau dans le moule. Cela va faire un effet arc-en-ciel. Je dois m'assurer qu'ils soient bien tous compressés. Ça a l'air bien! J'ai enfoncé un bâtonnet dans le gâteau. Et maintenant, je vais le tremper dans le chocolat fondu. Tu dois juste laisser durcir le chocolat. Je vais utiliser du chocolat pour les décorer. Je vais juste l'arroser par-dessus. Et je vais utiliser du chocolat de différentes couleurs. Ça a l'air super! Je vais faire la même chose avec du chocolat blanc. Regardez ce que j'ai! Waouh! Elles ont l'air délicieuses! Je suis impressionnée, Mickey! Waouh! Elles sont délicieuses! J'en veux plus! Hé, Penny, regarde! Quoi? C'est quoi le problème? Oh, c'était mon jean préféré! C'est tellement gênant! Oh, je n'arrive à rien! C'est trop dur! Peut-être en essayant ça? Non, non, ça ne marche pas non plus! Ah, je déteste cette journée! C'est bon, calme-toi et repose ton calcul! Non, non, ça ne sert à rien! Je ne suis qu'une grosse ratée! Hein?
pourquoi elle gaspille autant de papier? Comment il fait pour réussir son contrôle aussi bien? Je peux peut-être lui demander de l'aide? Moi? T'aider? Jamais de la vie! Nulos! Ouf! Je ne le ferai jamais! Il va être méchant! Il est trop populaire! Il commence à faire chaud ici, non? J'ai très chaud! Salut, ça va? Oui. C'est pas vrai, il a déjà presque tout fini. Bon, il faut que je lui demande de m'aider. T'aider? Oh, bien sûr, avec plaisir. Regarde, je vais te montrer une astuce. Entoure les unités et multiplie-les. Fais pareil avec les dizaines et note le résultat. Ensuite, il faut juste additionner ces deux chiffres et mettre les résultats au milieu. Tu vois, tu as ta réponse. Tiens. Oh, merci beaucoup. Tu es galant et malin. Maintenant, je peux enfin faire mon contrôle. Je suis si heureuse que vous ayez pu venir. Salut. C'est pour toi, Mickey. J'espère que ça va te plaire. Waouh, c'est magnifique. J'ai trop hâte de le porter. Merci, Lily. Il est superbe. Tu es la meilleure. Ouf, comme je suis soulagée. Je dois faire un cadeau à Mickey. Je crois qu'il y a quelque chose là-dedans. Waouh, je suis riche. Oh, peut-être pas. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? C'est le moment d'aller faire du shopping. Oh mon Dieu, ils sont tellement bons. Qu'est-ce qui ferait plaisir à Mickey? Bonjour, je peux t'aider? Nous avons des cadeaux pour tous les âges. C'est pour ma meilleure amie. J'adore ce Poppy. Mais il est trop cher. Oh, un dinosaure. Non, je ne peux pas me le permettre. Je n'ai pas un super budget. Je peux voir ça. Peut-être que je peux t'aider. J'ai ce qu'il te faut. Qu'est-ce que tu en penses? Waouh, c'est parfait. Donne-moi ça. Et je vais prendre l'argent aussi. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est une blague? C'est fini! Oh, ne sois pas fâchée. Tu veux des bonbons? J'aime les bonbons. Merci. Au moins, je ne vais pas être déçue. Attends! J'ai une idée! J'ai besoin de ces ours en gélatine et de ce moule rond. Je vais mettre les ours en gélatine dans le moule. Voilà le dernier. Maintenant, il me faut de la résine époxy transparente. Je vais la verser dans le moule et couvrir tous les ours en gélatine. Comme ça. Voilà, maintenant je vais attendre que ça durcisse. Maintenant, je peux le démouler. Et j'ai un bracelet personnalisé. Il y a tellement de couleurs. C'est plutôt sympa, hein? Je suis prête pour la fête! Allez, je sens que la chance est encore de mon côté pour celui-là. Attends, ne bouge plus! On va l'ouvrir ensemble. À 3, 2 et 1! Oui, un de mes goûters préférés! Du lait et des gâteaux! Miam, ça a l'air délicieux! Hé, comment tu as pu me doubler comme ça? Je voulais qu'on les ouvre ensemble! Bon, tant pis. Mais non, moi aussi j'ai un dessert et une boisson, des macarons et du jus de fruits. Tout est si coloré. Qui a envie d'un dessert arc-en-ciel? Les gâteaux au chocolat avec du lait sont au-dessus de tout. Gâteau au chocolat, lait. Hé, tu m'as blessée. Je suis tellement choquée. On a insulté mes gâteaux. Je vais défaillir. J'ai un secret à te révéler. Tes gâteaux sont bons à finir à la poubelle. Oh, tu vas voir ce que tu vas voir. Qu'est-ce que tu dis de ça? Facile. Essaye de reproduire celui-là, alors. Tu veux dire ce pas-là que tu trouves super stylé? Trop simple. D'accord, c'est le moment de sortir le grand jeu, alors. Prends ça. Sérieux? C'est ça, ton super pas? Pas grave, j'arrête de perdre mon temps avec toi. Attends un instant. Le gâteau? Mais oui! C'est comme ça que je vais gagner. Hé, youhou! Par ici. Oh, super, j'ai déjà un macaron, là. Très bien, essaye un peu de faire ça maintenant. La ganache n'est que d'un côté. Et voilà, la séparation parfaite. C'est ça, ton pas secret? C'est beaucoup trop simple. Oh non, mon macaron vient de tomber en miettes!
Ton macaron était trop fragile pour mon pas ultime. Non, je veux y arriver. Regarde bien. Attends, j'en ai encore d'autres. Non, ils se cassent tous. Bien fait pour toi. Je t'avais dit que tu n'y arriverais pas. Et maintenant, c'est l'heure de ma récompense. Le trempage de gâteau dans le lait. Trop bon. Ça reste mon goûter préféré. Oh oui, c'est vraiment délicieux. Ouais, je suis sûre que les miens sont toujours aussi bons. Il ne me reste plus qu'à goûter de toute façon. Ils se désagrègent à cause du jus. C'est pas juste. Cela devrait activer vos méninges. Vous avez la réponse à cette question? Aucune idée. Je crois que j'en ai une. Tu m'impressionnes. Regarde. Sérieux? Ça ne marche pas. Bien tenté, Chloé. Je sais, fais comme ça. Tu vois ce feutre? Retire l'encre, comme ça. Ensuite, souffle dedans par la bouche. Tu vois comme l'encre verte s'écoule? Ensuite, prends ton masque capillaire préféré et mélange-le à l'encre. Il faut que le mélange soit bien homogène. Regarde cette couleur incroyable! On teste. D'accord. Applique le verre sur la première mèche. Ensuite, enveloppe-la de papier aluminium. Ensuite, fais une autre mèche avec du violet. C'est tout? Non, laisse reposer un instant. D'accord. Je pense que c'est bon. Ah, c'est vrai? Cool. Super, ça a bien marché. Ça, c'est de la couleur. Tada! Tu aimes ta nouvelle coiffure? Oh, attends deux secondes. Waouh, je suis une princesse arc-en-ciel. Ah, c'est trop bien. Tu devrais songer à te lancer dans ce métier. Peut-être. Opération trouver la réserve de friandises de maman en pleine addiction. Waouh! Wendy! Regarde ça! Ce sont des marshmallows géants! Ça a l'air incroyable! Je ne peux plus attendre! Je ne pense pas. Tu as déjà entendu parler du partage? Tu es une vraie gourmande de gâteaux! Ah! Bien, je vais juste me prendre un morceau. Qu'est-ce que tu dis de ça? On peut jouer à ce jeu à deux! Hein? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, nous n'avons pas de temps à perdre! Quelle quantité de ça peut tenir dans mon ventre? Je dirais que j'ai encore de la place. Ne prends pas tous les marshmallows. Tu as plus de glaçage que moi. Tu es tellement égoïste. Bataille de gâteaux. Oh, les filles, vous avez mangé l'autre gâteau? Vous ne méritez pas celui-ci. Ou vous pouvez au moins le manger correctement. Tout ce qu'il vous faut, c'est une tasse pour obtenir un morceau de la taille parfaite. Venez, prenez-le, les filles. Et je vous promets qu'ils sont de la même taille. Tu es la meilleure maman du monde! Tout pour mes jolies filles. Oh, salut! Nope, je ne suis pas intéressée. Oh, je pensais que j'avais un client. Personne n'achète mon chocolat. Hé, par ici! Burke! Tout le monde aime le chocolat! Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je ne vais jamais avoir un petit chiot. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, c'était un beau rêve le temps qu'il a duré. Un atterrissage un peu compliqué, mais j'ai réussi. Oh, salut Lily, pourquoi tu es si triste? Personne n'achète ton chocolat? J'ai tout essayé. Oh, j'ai une idée. Viens avec moi. Waouh, ce n'est pas dangereux? Où allons-nous? On va dans ce château. Bienvenue dans ma cuisine. Waouh, il y a tellement de bonbons. C'est trop génial. On doit faire du très bon chocolat. Ceci va résoudre tous tes problèmes. D'abord, nous avons besoin de ce moule. Je vais dessiner un cœur en chocolat dedans.
Oh, c'est trop mignon. Je vais en dessiner d'autres. Mais je vais utiliser un autre chocolat. On veut que ce soit joli. Maintenant, on peut les recouvrir. Ce chocolat violet est sublime. Je vais remplir complètement le moule. Puis, on doit attendre que ça prenne. Ensuite, on peut le démouler. Et c'est prêt. C'est tellement joli. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Waouh, merci beaucoup. C'est magnifique. Maintenant, va le vendre. Ça va très certainement marcher. La vente est ouverte. J'étais là en premier. Il y en a assez pour tout le monde. Ça s'est trop bien passé. Waouh, regarde ça. Je vais pouvoir avoir mon chien maintenant. Et tout ça grâce à ma fée marraine. Tu es si mignon et si doux. Mon eau est chaude. Je vais pouvoir me faire ma soupe. Ah, j'ai attendu ce moment toute la journée. Je suis vraiment bien là. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau à la télé? Je vais essayer quelque chose de nouveau. Salut! Aujourd'hui, je vais vous montrer ma nouvelle maison. Venez! Voici ma salle de fête. J'ai un DJ 24h sur 24. Waouh, un DJ privé! C'est génial! Hein? Ma télé a encore un problème. Allez! Et voici mon bureau avec mon nouveau PC et mon volant de jeu. Trop bien! Je suis la meilleure! Et pour me détendre, j'aime prendre un bon bain. Waouh! Waouh! Oh! Ah! Et quand je vais me coucher, je me recouvre de billets. Non, je dois arrêter de regarder. J'aimerais trop avoir la même vie qu'elle. J'ai plus qu'à aller me laver. Si seulement j'avais des bombes de bain comme elle. Je n'ai que cette éponge qui gratte horriblement. Oh non, j'ai laissé tomber mon savon. Où es-tu, petit savon? Te voilà, je te tiens. Oh, je n'arrête pas de penser à ces bombes de bain. Une seconde, je crois que j'ai une idée. Je vais commencer par mettre du bicarbonate de soude dans un saladier. J'en mets juste un peu, comme ça. J'ajoute un peu d'acide citrique et de l'huile de coco. Ça sent bon. Maintenant, je mélange le tout avec un fouet. Ça fait un mélange un peu plus épais. Et voilà, j'ai maintenant mon gros saladier et plusieurs petits bols. Je vais ajouter de la couleur pour que ce soit plus sympa. C'est pas facile à mélanger. Il faut faire un effort. Il est temps de prendre un moule en silicone. Je ne dois pas non plus oublier mon grand saladier blanc. Il aura son propre moule. Je vais mettre la poudre dans le moule avec cette cuillère. Et maintenant, j'ajoute un peu de poudre colorée. Et je recouvre le tout de poudre blanche. C'est bien. Et maintenant, je tasse le tout. J'aspergerai ensuite le dessus avec du spray antiseptique pour que ça se fixe. Nous y voilà. Je peux le sortir du moule. Très bien. Je suis prêt à utiliser ma bombe de bain. Et elle est spéciale parce que c'est moi qui l'ai faite. C'est parti. Oh, les petites billes apparaissent. Regardez, l'arc-en-ciel apparaît. J'adore ces couleurs. Je suis contente de mettre à renverser cette soupe dessus, finalement. Hey! Ooh. Ew. Transformons cet étui de téléphone banal en quelque chose de plus excitant. Je n'ai besoin que de mon stylo 3D. Je vais commencer par faire le contour de l'objectif de la caméra, puis dessiner le long des bords de l'étui. J'adore cette couleur, elle est très lumineuse. Ensuite, je vais longer les côtés de l'étui. Il est facile d'oublier cette partie. Une fois que c'est fait, je trace des lignes diagonales à travers l'étui, comme ceci. Je vais faire de même, dans l'autre sens. Cela a l'air bien. Je peux maintenant retourner le téléphone. Oh, regardez ce visage souriant. Je vais avoir besoin de cette image de Blue. Je tracerai tout autour d'elle avec le stylo 3D. C'est tellement plus facile que de dessiner à main levée. Je pourrai alors remplir mon dessin. Je veillerai à ne pas passer sur les yeux. Je les remplirai de plastique blanc. Je crée ici des lignes diagonales. Maintenant, je peux dessiner un X pour faire son œil. Une fois les yeux terminés, il est temps de poser la couronne. Je la remplirai de jaune, évidemment. Je suis sans doute artiste. Je peux maintenant décoller Blue du côté de l'écran. Je retourne le téléphone et je colle Blue dessus. Quelle différence! C'est ce qu'on appelle un étui de téléphone. Il est parfait! Je vais rapidement retoucher mon rouge à lèvres. Où est-il? Ça va mieux.
Ah, c'est ce que je cherche. Merci, Annie. Qu'est-ce que tu fais? Non, ne fais pas ça. J'adore cette teinte. C'est le mien. Je te le rappelle. Waouh, la susceptible. Oh non, tu ne l'auras pas. Arrête et va. Je ne plaisante pas. Cela commence à devenir ennuyeux. Arrête. Regarde ça. Oh, que c'est joli. Deux personnes peuvent jouer à ce jeu. Que penses-tu de cela? Ah oui! Essaye de battre ça. Il me convient mieux qu'à toi. Tu as l'air d'un clown. Un clown très laid. Arrête! J'en ai assez de ça. C'est le mien. À moi toute seule. Bien essayé, Annie. Oh oh! Ce n'était peut-être pas mon rouge à lèvres après tout. Eh bien, c'est gênant. Je dois m'excuser auprès d'Annie. Attendez, j'ai une idée. J'ai besoin de mon stylo 3D. Je l'utiliserai pour faire une boucle autour du tube de rouge à lèvres. Je vais continuer à tourner. Je veux avoir des couches, comme ceci. Je vais continuer jusqu'à l'arrière du tube. Une fois que j'aurai atteint la fin, je commencerai à remplir la base du tube. Je veux le couvrir complètement. C'est parfait. J'ai utilisé le stylo 3D pour faire une lettre A. Je vais la coller au tube. Voilà, j'ai terminé. Oh, voilà Annie. Annie, c'est pour toi. Hein? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est mon rouge à lèvres? Waouh, c'est vraiment cool. Merci Eva. Je suis désolée. Regarde ce que j'ai trouvé. Pas possible, c'est exactement le même que le mien. Je ne peux m'empêcher de regarder ce collier. C'est juste, waouh! J'ai beaucoup de chance. Il est tellement beau. Waouh! Oh, ça fait mal. Oh non, mon collier, il est cassé. Regardez-le. Oh, regardez ça. Je peux peut-être le réparer. Bonjour, il y a quelqu'un? Il suffit de regarder la qualité de ce soudage parfois. Hé, youhou! Par ici. Hein? Que veux-tu? Bonjour Annie, entre donc! Ah bon, t'es sûre? Comment cela se passe-t-il? J'ai cassé mon collier. Ouais, il est certainement cassé, mais je peux le réparer. Voyons ce que nous avons ici. Il est irréparable. Il doit être mis à la poubelle. Mais je l'aimais! Chut! Non, tu ne l'aimais pas. Je vais te faire quelque chose d'encore mieux. Regarde ça. Tu vas bien? Je ne suis pas sûre que ce soit mon style. Je n'ai pas terminé. Non, je ne suis pas fan. C'est un peu sauvage. Waouh, tu es très pointilleuse sur tes bijoux. Je suis à court d'idées. Il doit y avoir quelque chose à faire. Attends une seconde, je sais quoi faire. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de ce pop-it. Je remplis les cavités avec le plastique du stylo 3D. Je continue sur toute la rangée. Je place ensuite une chaîne le long de celle-ci et je la recouvre de plus de plastique. Je veux m'assurer que je couvre la chaîne en entier. J'attends ensuite que le plastique durcisse. Je peux maintenant l'enlever du pop-it. Essaye ça! De quoi ça a l'air? J'ai besoin de voir. Waouh! On dirait des fleurs! Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Eva, c'est merveilleux! Je te remercie. Hé, c'est ce que je fais!
One? Hmm? Yes! Eh? Eh? Wow! Hey! Oops! J'arrive pas à croire que j'ai eu un F. Il faut surtout pas que maman voit ça. Mais je sais quoi faire. Je vais passer mon fer à lisser dessus. Et le F va disparaître comme par magie. Oh oh, voilà maman. Je dois être rapide. Je pense que je mérite un A+. Que se passe-t-il ici? Gina, tu es déjà à la maison? Oh, salut maman, j'ai eu le résultat de mon contrôle. Attends une minute, laisse-moi voir ça. Oh non, c'est comme ça que ça se termine? Je suis si fière de toi, ma chérie. Il est évident que c'est de moi que tu tiens ton intelligence. C'est vrai, maman, et ma sournoiserie de papa. Ouf, j'ai réussi. Je pensais que j'allais être en retard. Ok, où est mon cahier? J'aimerais pouvoir changer de bureau. Ah, le voilà. Oh, qu'est-ce que c'est? Non, mon crayon a glissé. Mince, et maintenant je peux plus utiliser ma gomme. Comment ça va? As-tu une gomme? Bien sûr, donne-moi une seconde. J'en ai certainement une ici. Où est-elle? Oh, c'est le bazar. Je le regrette déjà. Attends, je sais qu'elle est ici. Désolée, je l'ai pas trouvée. Oh, d'accord. Attends, c'est quoi ça? De quoi tu parles? Ah, c'est là qu'elle est allée. Merci, c'était bizarre. Je devrais vraiment nettoyer mon sac. Attends, j'en peux plus! Je pense que je peux t'aider, j'ai ce qu'il te faut. Je prends un papier carton et je le plie en trois. Je ferai un deuxième pli sur un côté. Je vais faire couler de la colle sur le bord. Ensuite, j'appuierai sur l'autre côté. Je vais m'assurer que ça a collé. J'ajouterai un peu de colle sur le dessus. Je vais maintenant le plier en deux. C'est comme une enveloppe. Je peux mettre cela de côté. J'en ferai d'autres et j'utiliserai des cartons de couleurs différentes. C'est comme un arc-en-ciel. Je les entourerai d'un morceau de mousse, ensuite j'ajouterai du velcro. Puis j'utiliserai de la mousse pour faire le visage d'une licorne. C'est comme un portefeuille et c'est mignon. Voilà, c'est pour toi. Waouh, c'est toi qui as fait ça? C'est incroyable! Waouh, regarde! Il y a de la place pour toutes mes choses. J'ai hâte de l'utiliser. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Il est parfait. Je pense que c'est tout. J'ai faim. J'ai besoin d'un encas. Je crois que j'ai quelque chose dans mon sac. Du moins, c'est ce que je croyais. Oh, ne t'inquiète pas, j'ai quelque chose pour toi. C'est ma façon de te remercier. Quoi? Comment cela a-t-il pu rentrer là-dedans? Eh, je me plains pas, ce sont mes préférés. Oh, ça sort pas! Oh non! Non! Ne t'approche pas de moi! Tu peux courir, mais il n'y a pas d'échappatoire. On peut pas en parler plutôt? Je veux juste voir tes notes. Elle n'abandonne jamais! Hé, hey, Gina! Non! Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi as-tu fait cela? Je suis désolée, c'était un accident. Vite, laisse-moi t'aider. Je ne trouve pas le bouchon. Attends, je crois que je sais quoi faire. Ça pourrait marcher. On peut utiliser la poupée, enfin la tête de la poupée. Je l'enlève de son corps, ensuite je l'appuierai sur le flacon de colle et je la tournerai pour m'assurer qu'elle est bien en place. J'aime bien. Maintenant, donne-moi les notes. Il faut être rapide. Waouh! Je vais presser la bouteille et la colle devrait sortir. On dirait de la morve. C'est un peu dégoûtant, mais drôle. Ça a parfaitement fonctionné. Je vais coller la note au contrôle. Personne ne le saura jamais. À mon tour! Fais attention au prof! Waouh, c'est impressionnant! Beau travail, Wendy! Au revoir, F! Bonjour, à plus! Et juste à temps! Enfin, je vous ai trouvé! J'attends les résultats de vos contrôles! Laissez-moi voir vos feuilles de contrôle! Voilà! N'aie pas peur! Je suis surprise! Bien joué, Gina! Et toi, Wendy? Ok, ma note. Tadam! Un autre A+? Waouh, j'étais convaincue que tu échouerais. Excellent travail, les filles. Attendez une seconde, qu'est-ce que c'est que ça?
Je ne vous comprendrai jamais, les enfants. Je vais le prendre. Sois cool. Phew. Ce sera quoi cette fois? Attendez. Eh oh! Eh oh! Réveillez-vous! Hey! C'est si juteux. Un instant. Je reviens tout de suite. Je vais me régaler. Hein? Où suis-je? Hey! Ouah, ça a marché. Excusez-moi, j'ai dû m'assoupir. C'est votre prochain défi. Dessinez un hamburger. Rendez-le appétissant. Comment? Ça va être difficile. Attendez, j'ai la réponse ici. C'est très simple. Je mets le pop-it juste ici. Je peins ensuite le pourtour. J'utilise de la peinture orange sur cette partie. Ensuite, je remplis les creux. Et j'utilise de la peinture verte pour la laitue. Ça me donne faim. Une fois prêt, je le retourne et j'appuie sur les creux. Oh, ça fait du bien! J'adore ce défi. C'est artistique et amusant. Ok, concentre-toi. Soulève délicatement le pop-it. Et voilà un burger. Assez bon pour être mangé. Regardez, essayez de me battre. Je te félicite pour l'effort. Au moins, tu as essayé. Donne-moi une seconde. Ah, c'est ce que je cherche. J'ai payé pour la livraison express. Ouh, merci. Ça a l'air délicieux, mais je ne le mangerai pas pour l'instant. Je dessine autour du pain. Ça a l'air bon. Minute, ce n'est pas ce que je voulais faire. Comment ai-je pu me tromper? Je dois la voir. C'est l'heure de la pêche. Je l'ai. Reste plus qu'à le ramener. Viens voir maman. Vous devriez voir ça. Je sais quoi faire. Je vais tracer une ligne à travers le cercle. Je le divise en sections. Ça prend forme. Heureusement, j'en ai un vrai pour référence. Du moins, je le croyais. Oups, vous avez perdu quelque chose. Il était juste là. Quelque chose ne va pas. C'est l'heure. Montrez-moi vos dessins. Mais mon burger. J'espère qu'il vous plaira. C'est tellement injuste. Je ne vois pas de quoi vous parler. Excellent, Lizzie. Qu'est-ce que c'est? Plus de chance la prochaine fois. Lizzie gagne. Je ne l'oublierai pas. Nana! Prête pour la prochaine manche? Attendez, j'ai reçu un message. Quoi? Ma petite fille? Oh non, j'avais oublié! Je n'ai pas le temps pour ça! Mamie! Oh, ça fait fondre le cœur. C'est bon de te voir, ma chérie. Ouh, de la peinture! Non, n'y touche pas! Tu es méchante! Pas grave, il y en a d'autres par là! Oh non! Je veux peindre! Tu gâches toujours mon plaisir! Allons, ne pleure pas! Tiens, prends ce stylo! Tu peux faire un joli dessin! Ok, je peux le faire! Je sais exactement quoi dessiner! Je vais te surprendre! C'est ma main! Tu aimes? Waouh! Tu es un génie! Ça m'a inspirée! Allons-y! Je trace autour de ma main. Je trace ensuite deux lignes horizontales. Puis j'ajoute quelques détails. Vous allez être très surprise. Maintenant, je dessine un bec et une aile. Il commence à prendre forme. Ensuite, je dois le colorer. Du rouge pour le bec. Ça doit être vif et tout en couleur. Il doit avoir un aspect exotique. J'ai fini, exactement comme je l'imaginais. Jetez-y un œil. Pas mal, non? Waouh! Mamie, regarde! Elle l'a fait en utilisant sa main! Elle a beaucoup de talent! C'est pas si bien que ça! Je vous en mettrai plein la vue! Je pose ma main sur le papier avec le pouce qui dépasse, ensuite je dessine autour, mais je laisserai un petit espace d'un côté. Je remplirai cette zone avec une ligne ondulée. Ensuite, je dessine un visage heureux sur le pouce! Trop mignon! Il lui faut deux petites antennes, je trace des lignes sur le pouce. Une fois que c'est fait, je transforme la main en feuille. C'est assez simple. À présent, je peux le colorer. J'utilise du vert pour la feuille. C'est la couleur parfaite pour ma chenille. Waouh, elle est si affamée. Je vais colorer sa langue en rouge. Avouez que c'est impressionnant. Mange, petit gars. C'est pas mal, mais mon oiseau est mieux. On le saura bientôt. Vas-y, choisis la gagnante.
Quelle responsabilité! J'aime bien le joli oiseau. Par ici. Hé, mamie, je crois que j'ai pris ma décision. Oh, ok, ok. Et vous gagnez toutes les deux. Vraiment? Waouh! Bien joué. J'ai hâte de voir ce qu'ont préparé nos concurrents. Oh, voici notre première candidate. Alors, que nous avez-vous préparé? Je vous ai fait mon dessert préféré. Un banana fruit type Aluza. Qu'est-ce que c'est? Comme vous pouvez le voir, je me suis concentrée sur la présentation. Je souhaitais que les couleurs contrastent avec la forme du fruit. En fait, ce sont des bonbons sur une banane. Voici nos scores. Excusez-moi, est-ce que c'est une blague? Allez, candidat suivant. Bonjour, enchantée de vous rencontrer. Voici mon plat. Mon voyage culinaire a débuté durant mon enfance. Oh oui, mon plat, bien sûr, le voilà. C'est un chamallow avec une sauce réduite au caramel. Quoi? J'arrive à peine à le voir. C'est tout petit. Oh, il n'arrête pas d'en parler. C'est épuisant. Quoi? Comment pouvez-vous me donner de telles notes? Ce concours est une vraie catastrophe. Ne vous inquiétez pas, je vais bien. Je pense que vous n'avez pas compris l'esprit de mon plat. Je suis là pour le concours. Un enfant? Sérieusement? On concourt face à un môme. Je vous présente mon plat. Waouh! C'est un magnifique gâteau arc-en-ciel. C'est absolument stupéfiant. Le glaçage arc-en-ciel est facile à faire. Il suffit de préparer plusieurs couleurs et de les aligner sur une feuille de cellophane. Vous pouvez mettre autant de couleurs que vous le souhaitez. Et voilà, je finis par le violet. Ensuite, j'enroule la feuille de cellophane. Je dois bien serrer le tout, mais pas trop, afin de ne pas mélanger les couleurs. Ensuite, j'utilise des ciseaux pour couper une extrémité. Et je place mon boudin dans une poche à douille. Et voilà, je n'ai plus qu'à décorer mon gâteau. Et voilà, un joli glaçage arc-en-ciel. Oui, j'adore l'effet que cela donne. Encore un peu par ici et le contour est terminé. Maintenant, j'en mets un peu sur le milieu. C'est un concours après tout. Ce gâteau doit être parfait. Tada! Mon gâteau est terminé. Vous aimez? Comment est-ce possible qu'il ait créé ça? C'est absurde! Voici vos scores. Ouais! Viens! Sans faire de bruit! Je crois qu'on ne devrait pas être là! Trop tard maintenant! Prête? Waouh! Du chocolat! Ok, suis-moi! Marche dans mes pas! Oh! Ah! Chut! Tout va bien! Bon, elle a dit qu'il fallait que je la suive! Oui! Heureusement, j'ai atterri sur ma main! Ça aurait pu être pire! Pas grave! On a le chocolat! Hein? Ce n'est pas du chocolat? Je n'y crois pas! C'est un dessin! Mais non, c'est du vrai! Qu'est-ce qui s'est passé? On est où? Regarde, des affaires de dessin! Je suppose qu'on ferait mieux de se mettre à dessiner! Allez, premier défi! Je me demande ce que c'est! Oh, un chiot tout mignon! On peut le garder? Bon, je peux le faire! J'ai vu des artistes faire comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais ça a l'air bien. C'est un peu petit pour un chiot. Attends, je sais quoi faire. Hein? Moi aussi, j'ai une main. Super. Ah, j'ai compris. C'est facile. Je vais tracer le contour de ma main. Qu'est-ce que tu fais? Tant qu'elle a l'air contente, je vais mettre ma main sur ma feuille comme ça. Et ensuite, je fais le contour. Maintenant, on va la faire ressembler à un chien. Des poils, de beaux petits yeux et une truffe. Je vais le colorier maintenant. Ça prend une belle tournure. Il ne faut pas que je déborde. J'ai presque fini. Voilà! Il est trop mignon. Je suis plutôt fière. Je vais l'appeler Lucky. C'est vrai que c'est plutôt bien fait. Enfin, j'aime bien le mien, mais... Oula! Au moins, tu as essayé. Qui a gagné? Ouais! Regarde, il se passe quelque chose! Des biscuits! Miam! Ils ont la forme d'eau! C'est génial! On reste dans le thème du chien! J'adore! J'ai hâte de goûter! Attends, biscuits... os... chien! Arrête! Ils ne sont pas pour toi! Oh, ils sont bons! Il me faut la recette!
Oh, tu n'aurais pas dû faire ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ces biscuits, ils sont pour le chien. Oh, tu ne pouvais pas me le dire. Bien fait pour toi. Hé, viens là, mon petit. On a des friandises pour toi. Allez, viens. Oh, c'est qui le meilleur? C'est toi. Oui, c'est toi. Tu dois avoir faim après avoir posé pendant si longtemps. Ça, c'est un chiot intelligent. Allez, c'est pour toi.